moins Vermintide en mode 40 000 et C'est pas la même boîte, de toute façon. c'est Red Shark qui les fait? Ouais, je crois. Bah dans ce cas-là ça va être bien. Ouais, Enfin bah, je de veux toute dire façon. les mecs ils ont l'habitude. Oui, donc sûrement possibilité qu'il soit sur Steam ou autre. Oh, il il est sera sur sur Steam, il est dans ma liste de souhaits depuis au moins 5-6 mois le truc. C'est ça, bah, de toute façon, je crois que tout le monde dans le conv, à part peut-être toi dessous du coup, a Darktide dans la liste de souhaits. Alors moi Je suis je l'ai pas pas un encore gros mis, fan de parce que j'ai Warhammer pas comme mis toi. Steam. Ah oui, non mais c'est... Non mais c'est... Non mais Petit à petit, tu deviendras fan de Warhammer. Ah oui, non, de toute façon, Ah peut-être. bah oui. Parce qu'on n'a pas le temps, sinon on pourrait T'achèteras regarder... Warhammer 1, t'achèteras Warhammer 2, puis tous les DLC, puis Que tous les monsieur, DLC, oui, t'iras... non, mais Total War Warhammer, j'ai chiant, faudrait que tu m'expliques et tout, parce que sinon je me sens perdu, mais en fait j'aime bien le jeu, j'aime bien l'univers, bon, et c'est bon, calme-toi, c'est juste que j'ai pas le temps, sinon... Mais c'est pour ça que je suis pas là à te demander des... Non, mais Puis, des ah, tirs. je veux dire, l'univers, le jeu, il est bien, et, enfin, t'aimes bien, c'est juste que t'as l'impression de pas savoir y jouer, alors qu'en vrai, bah, c'est... Ça va, en fait, c'est juste des petits détails qu'il faut que... Après l'univers, oui, j'adore ça, c'est un univers que je trouve super intéressant. Oh, et encore, tu ne fais que les fleurs. Bon. C'est-à-dire Tu que viens de même voir que la moi... partie émergée de Même moi, je connais te pas laisse. l'or, en fait. Il y a trop de trucs, j'ai pas le temps. Bon, j'ai envie de Allez. sauter, moi, allez. Bah allez, on saute. Le live est bon ou... Ah oui, le live il est lancé, mais Coucou. Attendez à ce que Yerson fasse une intro. Une intro comme Alors, c'est l'histoire d'un noir, d'un juif et... Attends, d'abord, c'est qui cette fille? Oh, des vacances de stream. Moi, je veux pas être méchant, il est où Corentin? Il est pas encore sur le stream là. Ah, c'est vrai. La meuf est morte, je répète, la meuf est morte. Oh, on peut. Oh, attends, le cadavre hein il est encore chaud. Vous devez nous aider à arrêter ce Y'a une meuf, la route elle est morte. Ah, mais elle ressemble carrément à l'autre sauf qu'elle a pas les cheveux bleus. Cet enfant de salaud a Ça. tué mon meilleur ami, coupe hein Je prends mon véhicule. Non, mais c'est vrai que. De toute façon, si. Si je m'écoutais, je serais streamer uniquement de jeu Warhammer. Il faut que vous m'aidiez avant j'ai coupé tous les autres. Trouvez-vous un véhicule. Je t'écoute pas parce que. Si vous voulez parce que j'ai d'autres jeux à faire et que j'ai pas le temps de. Et j'ai pas le temps de jouer. Aucune pitié. De base, on va dire. Bah, de toute façon. Oups. On était là, coupe et moi. On est en train de partir en mode Mad Max. C'est-à-dire que j'ai joué à Total War Warhammer 3, j'ai fait une campagne, bon voilà, j'ai d'autres jeux à finir, tu vois. C'est... Ah mais tu l'as chopé! Oh putain, je suis déjà à moitié mort, quoi! Oh la chatte! Viens ici, Billy! Hop là! Non, reviens ici, véhicule! D'ailleurs, il y a déjà un FPS qui est très très bien dans l'univers de Warhammer que si... je le ramène! Enfin, si j'en joue Exo dessus, ça va être horrible. Pourquoi? Parce que c'est Vignoland. Mais vraiment Bignouland. C'est génial! Peut-être atteint. C'est qui qui l'a fait? C'est un ennemi. C'est Deathwing. Ah oui! Deathwing! Mais Ça dit quelque chose. Le problème de Deathwing, il donne mal au crâne. Ouais, bah, dis-toi, en gros, t'es un Terminator, donc dans l'univers de 40 000, t'es littéralement... Bah, c'est presque comme un les vrais Terminator qu'on connaît, mais... Sauf que, bah, c'est des mecs dans des grosses armures. Tu sais, ceux qui cassent la méta actuellement dans le jeu de figurines que je t'ai parlé tout à l'heure. Et en gros... tu explores un Space Hulk. En gros, un Space Hulk, c'est un énorme vaisseau abandonné. Enfin, c'est un conglomérat de vaisseaux dans l'univers de Warhammer, on va dire plutôt. Et qui s'est perdu dans le Ward, donc du coup il s'est fait niquer, nanani nananère. Et en fait on est des mecs d'un chapitre particulier de Space Marine qui justement fouille les Space Hulk et tu dois trouver des reliques, sauf que les reliques elles sont cachées de manière aléatoire je crois, ça je suis pas sûr. Mais je crois que... Ouais, peut-être. En gros, t'as la carte, mais t'as plein de chemins possibles pour aller à ton objectif. Alors du coup, techniquement, tu dois fouiller toute la map. Je vous ai perdu, les gars. Oui, c'est normal, on s'est perdu. Non, je suis là. Non, c'est que j'étais en train de faire la tour radio. Vu bah, que en fait, trouvé. Moi, j'essaie de suivre le groupe, mais je vois... Bon, c'est déjà le bordel. Voilà, d'accord. Oui, on est ici. Piu piu. Piu 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 piu. Il y a un truc de véhicule, quelque part.
Bah non, faut revenir au début, je crois. La volonté de Calypso. Ah. Nous allons purger cette planète des... Oui, il y a peut-être un véhicule à deux, que quelqu'un a deux places dedans, non? Bah non, parce que personne ne l'a fait. Allez. Bah si, moi j'en ai un, c'est juste que... J'arrive. Aïe. Y'a un véhicule! Y'a un véhicule à choper! Rien à foutre! Y'a un bignou! En sachant que des swings, du coup, il y a deux versions. Il y a la vieille version que moi j'ai acheté dès le début parce que bah... Oh putain, ça a l'air trop bien! Sachant que les ennemis, c'est les tyrannides. Donc c'est génial. Parce que c'est Alien, en fait. Hein. C'est Fireteam. J'ai presque honte de dire que c'est Fireteam en mieux, presque, tu vois. Enfin, C'est Fireteam, mais avec un skin Warhammer et des plus gros flingues. Ouais, c'est ça qui fait que ça fait mal à la tête, on va dire. Ouais, quand tu prends une heure de mission avec les cris des tyrannides et qu'à côté t'as le connard qui va tirer avec sa Gatling, je peux t'assurer que tu... C'est une Gatling lourde, y a pas de problème, tu l'entends. Alors, vache. J'adore être trop bien. Comment on monte là-haut? Et le pire, c'est que si tu veux avoir tous les bignous, le gros problème, c'est que tu sais qu'ils sont là parce que t'entends... Ouais. Alors t'es obligé de mettre le son. Je peux pas descendre le son, tu vois. Et il y a une version du... Putain, il y avait un truc à véhicule là. Putain. Et du coup, il y a une autre version qui est la Handsel Edition. Où ils ont revu, ils ont ajouté des armes, ils ont ajouté une classe, je crois. Il y a un véhicule à choper par là, mais il faut... J'essaie de trouver le moyen pour l'atteindre. Mais... Ouais. Ah, je crois savoir. Alors là, pour venir te chercher, je trouve que c'est pas mon tour. Non, mon amour. Quoi? J'ai envie. Ah, hein. J'ai pas de pistolet. Mais par contre, en vrai, je l'ai fait tout seul le jeu, alors qu'il est clairement pensé pour être joué à 3 joueurs. Un peu comme Fireteam, hein, le Fireteam. J'ai réessayé de jouer tout seul. Oh, même avec des inconnus, il n'y a pas assez de gens dans le match inconnu. Malheureusement. Il y a 4 trappes. Il faut vraiment jouer en mode. La bouillie! Bouge pas, je te dis. Je kifferais jouer en multi des... Franchement, moi je suis chaud pour le faire. Hein. Surtout si on le fait à 4, ça serait un bordel. 3. Ouais, écoute. En fait, le truc, c'est que ce serait tellement un bordel, quoi. Comme Fireteam. Unlimited power! Fireteam, c'est clair. Mais Fireteam, je suis toujours chaud pour y jouer en mode... Parce qu'ils ont rajouté des niveaux de difficulté. Oui, le problème, c'est que... On n'est pas... Déjà qu'on a du mal avec le niveau normal. Ouais, parce qu'on joue pas beaucoup. Je suis sûr qu'on n'a pas compris le gameplay réellement du jeu. Hein, ouais. On n'a pas monté encore bien les classes. C'est comme si tu me disais, ouais, mais... Genre... Comment s'appelle ce jeu? Ouais, je sais, mais j'essaie de l'atteindre. Non mais j'ai un véhicule moi King à déposer. Floor. C'est comme si tu disais que King Floor 2 on est trop nul alors que c'est pas qu'on est nul, c'est juste que bah on a des classes sur le level parce que c'est pas... Ah putain, t'es tiré dessus. Moi je suis sûr qu'on peut. Il allait faire péter mon véhicule. Boah. Apôtre du roi divin. Oh, Deda t'es tout seul, je ramène un véhicule. Loot, 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 loot. Loot, loot, loot. Oh, oula. Il y a des jeux comme ça, genre Alien Drift, tout ça, tu vois, c'est cool, hein, mais c'est des jeux, je préfère les faire, même, parce que c'est... Alors que c'est pas des jeux incroyables, hein, c'est juste des jeux sympas. Salut Destruction 40, hein. Je vous ai ignoré, mais bon, c'est pas rien, ça. On a l'habitude. J'ai dans mon véhicule. Oh, c'est encore plus génial pour faire un dérapage. Il est par où? Ah, il est encore là-bas.
T'as vu d'ailleurs, je sais pas si t'es au courant au-dessus, mais il y a Bellacor qui débarque dans Vermintide 2. Donc du coup, il y a les nouveaux trucs dans Chaos Frost. Hein. Non, j'ai pas fait gaffe. NAA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 
Bah... Oh... J'ai pas le temps, mon esprit vit ailleurs. Bon, faut aller à la quête. Je vais arrêter de bourrer ma voiture. Par là, la quête. Pas sûr, hein. La quête, c'est derrière, connard. L'insulte était grotesque. J'adore trop, j'ai l'impression de déraper à chaque virage que je fais. T'as les membres du cul de la vitesse, quoi. La voiture est en rouge, c'est pour aller là, plus vite. Là, il manque juste un mec avec une guitare lance-flamme, là, sur... J'avoue. Ce moment de Mad Max m'a rendu fou, quoi. J'en ai rêvé. Alors, c'est pas là, déjà, mais bon. Bah, je suis... Oh là là, d'accord. Non, il fallait monter, passer par le pont là-haut. Ah, donc en fait, Jarky avait raison, ce connard. C'est... Oh non, la forêt. J'ai désamorcé immédiatement la situation en insultant plus fort. Parce que j'ai pressenti une autre insulte. Enculé. On suit les connards. Attends. Non. Bah, c'est pas là. Non, c'est là où vous êtes souhaité. Non, attends. Ils vont rentrer dedans par le plaisir. Ah oui, non, mais. Attends, mettez warning. Hein. Ah, d'accord. Bonjour. Si vous. Je t'ai rentré dedans. Bah, là, il est mort. Ok. Si j'ai trouvé, tu trouveras. Il est mort. Quoi déjà? Mais qu'est-ce que t'es sérieux? Mais... Quoi? En fait, je me suis approché là, je fais ce con. Non, c'est un véhicule. Face de char. Non, derrière, je l'ai écrasé. Pas les couilles. Du bout. Bah ben voilà. Bon bah on... Attendez, on va... Un trublion. On va au garage de machin. Aïe, ça fait mal. On va au garage de machin. À mon avis, il vaut mieux aller par là machin, non? Oui, un saut. Wouhou. Non, faut d'abord... Ouais, bah c'est juste à côté, donc on s'en bat les couilles. À mon avis, il faudrait qu'on arrête d'être... Aller où. Ça, il faut revenir au tout début, au tout début de là où on a commencé. Il y a... Non, j'ai vu un saut, j'ai sauté donc je suis en bas. Bah, faut aller en bas, mais je sais pas où. Non, moi je vais aller par là. C'est un raccourci, oui. Je le pressens. What? C'est quoi cette merde? Quand je m'envole dans le ciel, ma voiture se retourne et. Ah bah non. Le tyran! J'ai presque envie de faire un jeu de course avec vous là. En vrai, ça risque de pas être joli à voir. Ah, c'était assez drôle là. Parce que moi j'ai. Je suis très musclé. Pas contre un T-Rex. C'est-à-dire que si ça dépasse burn-out. Tu fais honte au lubrifiant Grog. Au lubrifiant. Ah, désolé, ça m'a fait rire. Au lubrifiant. Oh, hein. Ah, mais ça y. Attendez, je vais reprendre mon vrai véhicule parce que ça c'est. Je veux mon custom, ouais. Eh, moi je l'ai pas l'autre. Ah bah si, c'est baroudeur mais aile de requin, c'est ça? C'est ça. Ouais. Déjà, il y a une peinture torque. Moi j'aime bien ma grosse roue maintenant aussi. Alors. Ok. Sauf passager. Déployer le véhicule. Voilà. Allez au garage, j'ai pris ça. Ma peinture c'est torque, donc si jamais on percute, ça va péter. Ah bah, on vient de se. Ah bah, attends, il y a une roue derrière moi là. C'est bon. Non, ouais. là tu pars. Pourquoi? Faut la choper. Ah. Faut la ramener à la maison. Faut ramener la coupe à la maison. Voilà, je l'ai.
de là, c'est bon, là, regarde, moi j'écrase le mec. Quoi? Ah. Ah, il l'a embarqué, je croyais qu'il l'avait détruit le véhicule. Puis le voyant en fait, je me disais, what? Bon, j'arrive, j'ai battu le T-Rex. Quand je m'élève si haut dans le ciel. J'arrive. Pourquoi Zarky a l'air de jouer le meilleur jeu? Bah, oh, y'a un baron d'or à conduire là, mais j'ai la flemme, je veux garder mon véhicule. Ouais, je le prends, t'inquiète, j'arrive. Ah, quoi ça? C'est une grenade et ça avait l'air d'être mieux que ce que j'avais. Il est où ton baroudeur? Ah, ça là, ok. Oh, j'ai un pot d'échappement. Ah oui, j'avoue, allez, tu vas beaucoup plus vite par contre que... attends, ça va être drôle ça. Faut sauter sur les rampes. Oui. Ah mais attends, mais la mission a l'air trop cool, mais Zarky joue tellement un meilleur jeu. Oui. Attendez, j'arrive. Trop tard. Non, j'ai de quoi voler maintenant, moi aussi. Ah merde, j'ai raté la rampe. C'est moi qui l'ai eu. Ah mais on peut le faire nous aussi. Je l'ai! Ah, moi la rampe! Oh, ouais. C'était pas la bonne rampe! Enculé! Bruh! J'ai vu un autre véhicule, il est passé où? Ouais, c'est quoi ça? Y'a un Indominus Rex! Je vais taper en direct. Tuez-le! Tuez son espèce! C'est un Dilophosaurus Rex plutôt. Ah, le truc quoi! T'as de bois, il est où? Moi j'ai pas. Il est mort. Oh, tu loot, du légendaire. Tu loot. Attention mon vide. Légendaire. Oh, un snipe. Mais laisse-moi choper. Putain. Il est mieux que ça. Tiens pas la route. Tiens pas la route. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route. C'est vrai, on la ref. Les lubrifiants Grog vont t'adorer. Maintenant, prépare-toi. Oh, c'est le grand saut. C'est en trois parties. Un dinosaure et le Tripotanus. Tiens, le grand saut. Ça me rappelle que bah, j'ai toujours pas joué à Jurassic World 2. Merde. Tiens, vraiment pas la route, ce merde. Et là, y'a un grand saut là. C'est bon, il est à gauche. On le fait tous. Alors, est-ce que je vais y arriver? Le gros bouton rouge. Le grand bouton rouge. Le grand bouton rouge. Ouais. Non, je suis trop gros. On m'a déjà dit ça toute ma vie. Oh, il y a un véhicule à choper par là. Allez-y. Je fais la quête, vous inquiétez pas. Il y a un véhicule. Il y a du loot. Oh, le bâtard, mais... Il y a un véhicule en plus. Entre Zotsu qui bat les boss, lui qui fait la quête tout seul. Oui, J'ai juste fait le saut. J'étais derrière moi, j'ai fait le saut. Ouais, bah vas-y, je fais la quête. Vas-y, joue tout seul. J'arrive pas à récupérer le véhicule. Mais pas de sur ton véhicule. Hein? Je t'envoie des bombes. Mais je veux le baroudeur. Allez, non, t'es détruit pas le véhicule. T'inquiète, je le détruis pas. Mais si, tu le détruis là. Mais non, j'enlève un peu. Mais si, il a plus de vie. Mais si, arrête, tu le pètes. Mais non, regarde, il a encore la moitié de sa vie. Ah, si, détruire le baroudeur. Bah voilà. Attends, je voulais le garder, il avait l'air trop bien. Trop bougé geek, ton petit, ta petite bite de véhicule là. J'ai même pas de Gatling, t'es nul. Tiens. Bah elle est trop bien la roue que t'avais. Tiens, là tu fais quoi? Non. Tiens. Port chariot de guerre de 500 milliards de tonnes bouge. Petite buggy de 5 tonnes ferme sa gueule. Je veux la même roue que toi, Yursen. Ah bah, fallait le faire. Est-ce que par hasard t'as une... Est-ce que par hasard quelqu'un a une idée de ce qu'on fout sur cette planète et pourquoi? Faut aller voir Wayne White. On va aller voir un mec, on sait pas trop pourquoi. Il laisse des traces de chiasse derrière lui, quoi. Faut aller où? Voilà. Ah, faut aller là-bas et monter à la montagne. Mais tu l'as eu comment ta roue, Urs? Bah en fait c'est une roue lévitation. Mais je par l'ai contre, pas. On en parle. En fait si t'as la roue antigrave sur certains véhicules et derrière tu dois l'activer.
faut appuyer sur entrée pour l'activer. Ouais. Ça soit par hasard, un petit pitch là. Pourquoi je peux pas le récupérer le véhicule? Wow, il est pété. Attends, tu rentres. Ouais, c'est moi. Comme si tu sautais. Ah, mais espèce. Alors, sur je la mets. Il peut y avoir, c'est sur la petite alors. C'est quand tu as une roue équipée anti-grave. Ouais. De la montagne. J'ai coincé le véhicule. Non. Ah. Mais du coup, j'ai pas de véhicule comme ça, moi. Je joue au jeu, les gars. Parce que la roue, j'ai pas la roue luminescente. Tu t'arrêtes jamais, hein, pas vrai, le rapace? T'as jamais envisagé, je sais pas, moi, de t'allonger et de mourir? Peut-être. Ça a eu l'air de marcher pour ta pote la sirène. J'ai pas l'impression. Oh la bâtarde! Je peux pas récupérer ce véhicule. La 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 la. C'est où pour tuer des gens? Bah, c'est là où je suis. Ah, j'arrive! Ah, j'arrive. Attends-moi! J'ai l'impression que je suis timé, mais je suis pas sûr. J'ai vu un ascenseur avec des sadiques passer. Je sais pas s'il faut pas que j'arrive avant eux. Je vais aller voir, ouais. Bon, non, je pense que c'est indiqué sinon. Je viens de renverser un dino. Fusil à pompe, Jacobs. This is my boomstick. Vous avez bien lu, Jacobs. Oh. J'aime ces flingues. Ah, Vladoff m'a envoyé un courrier. Je vous suis reconnaissant. C'est dans social le courrier, non? Ouais. J'ai jamais lu les courriers. Bah, c'est ce qui te permet de récupérer une gueule. Ouais! LOL! Dans la demeure de Jacobs, on vend du dalle. Et comment ils ont fait pour remonter? Attends. Mais t'inquiète, TP toi, sir. Non, mais le problème, c'est que je suis au véhicule, je mais suis je peux pas aller plus loin. Right. Jacob, ah bah tu sautes. Mais j'ai bien peur qu'il ne reste plus que ce nom. En fait, voilà. Je sais que ça a l'air incroyable dit. Allez, comme ça, mais on peut sortir du véhicule. Servez-vous dans mon arsenal. J'ai récupéré ce que je pouvais. Il me paraissait un peu haut le mur en fait. Mais ça lui servira plus. Ces horribles Calypso l'ont assassiné et m'ont tout pris. Et sans votre intervention, je l'aurais suivi dans la tombe. Je m'en suis sorti. Mais ils ont capturé mon partenaire de vie, Alistair Hammerlock. Ces démons ne le libéreront que si j'accepte de leur donner la clé de l'arche. C'est aussi pour ça que vous êtes là, j'imagine. En effet. Cette arche est dans ma famille depuis des générations. Nous ne voulions pas voir notre paradis saccagé, comme ce qui est arrivé sur Prométhée et sur Pandore. La présence d'une arche entraîne toujours la guerre. Mais pour l'instant, j'ai des problèmes plus pressants que mon héritage familial. Oh, c'est quoi ce bouclier de malade? L'amour de ma vie. Si jamais il le tue, j'aurais tout perdu. Ouais, je l'achète. Si mon père était encore en vie, il me dirait d'aller à la rencontre de ces démons et de négocier le bout du canon d'un fusil Jacobs. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Ah, le bâtard, il m'a donné envie d'une... Cette secte a enfermé Alistair dans une prison appelée l'Enclume. J'ai déjà envoyé une équipe de mercenaires pour lui libérer, mais je n'ai plus de nouvelles depuis. Non, pas Borderlands 2. D'accord. Le moment le plus chiant du jeu, quoi. Moi. C'est comme si c'était fait. Enfin, ça tire partout, mais... Oh, répète avec moi. Il y a mille fois pire que ça. Voilà, il y a quoi dans le Jacobs? Il sera prêt. Du Valov, du Valov. Du Money One. Et du Titan. Je suis affreusement déçu. Je prends tout, je revends au Jacobs. C'est ça, c'est ça. Je suis extrêmement déçu. Il tient plus de le gars il voit ça, tu sais, et derrière il est en mode bon bah je les remets dans le coffre. Hein. Bah ouais. Moi je voulais du Jacobs quoi. Enfin, sur le coffre c'est marqué Jacobs quoi.
Jacobs, boss. Ah la logique. J'aurais mis du plomb dans la cervelle, hein, honnêtement, je l'aurais mis un peu partout. Je suis pas assez précis pour en mettre dedans à la cervelle. Je revends tout. Ah, Tyrine, mais t'es trop drôle. C'est où l'enclume, c'est en dessous ou c'est... Je crois que c'est en dessous parce que moi j'ai dû prendre l'ascenseur et ça m'a mis en dessous. Ah bah oui, ça nous remet un raccourci qu'on n'avait pas accès parce que tu comprends, il y a une barricade en bois et c'est pas que... Enfin, on n'avait pas dans roquette, quoi. Ça fait bien plaisir de voir une femme aux manettes, tu vois. Oh, une femme aux manettes. Ouais, faut... Une femme qui joue avec le joystick, tout ça. Attends, faut, dîner, faut que... prendre un véhicule et défoncer ça. Ouais, j'avais bien l'impression. Ouais. C'est trop bien, ça fait une trace de merde. Ah, regardez, il sauvegarde pas mon véhicule, le con. Non, les gars, c'est moi qui passe. Oui, on a vu ça. C'est mon cul qui passe avant le hop. J'avoue, j'avoue. C'est pas par là qu'il faut aller! Oula, oula, oula! Les mecs ils me suivent, hein! Jusqu'au bout, hein! Jusqu'au enfer s'il le faut! Non, je déconne, j'ai l'impression. C'est un chrétien qui dit ça, attention! De quoi? C'est jusqu'en enfer s'il le faut! Ouais, c'est ce qu'on dit d'habitude! C'est bizarre, il me dit que celui-là je l'ai pas. Sors du menu! Let me in! Let me in! Let me in! Oh merde, c'est là-bas! On TP! On te dit! Let me in quand même! Tu veux bien sortir du menu s'il te plaît? Je suis pas dans un menu. Bah, sors de ta voiture! Pas un menu. Ah, voyage annulé, des éducateurs dans un menu. Bah, non, j'étais juste dans ma voiture. En fait. Bah, mais enfin. c'est... J'ai le stream pour confirmer. Moi, je dis ça. On lit les messages d'erreur du jeu. Eh ben, écoute. Je porte plainte pour diffamation. Ouais, c'est pas toi qui décide. Ouais, du coup, je me suis TP sans véhicule, quoi, trop cool. Mais de toute façon, on pouvait pas aller avec le véhicule. Je, c'est ta vie, moi je voulais. Mon équipe ne répond toujours pas. Moi je voulais mon véhicule. Ouais, tu le récupéreras là-bas, il y aura bien un truc de véhicule à la con là-bas, c'est bon, fais pas chier. Attends, taisez-vous, la musique est plus. Grenade! La mort s'ouvre les bras. Oui, c'est vrai, on a ça, nous. Grenade! Grenade, tes fils! On peut aller dans nos propres grenades! Aïe! Pour rire. Non, je rigole! Est-ce que tu fais pas du lubrifiant grotte? J'en ai pas besoin! Oh, c'est Brick! Tu fous là, lui? Oui! Oh, c'est le meilleur jeu! Frappe avec son cœur. Oh oui, il m'insulte! Bon bah, vous savez ce qu'il faut faire maintenant, insulter des dents. Hein. Ça marche que si c'est Brick, je pense. Ouais, je pense aussi.
Mais toi, il va avoir le sniper. Oh, sniper. Ah, Mordecai. Je crois qu'on l'a vu, non? Non, l'a pas vu. Non, c'est zéro quand même. Ouais. Mordecai, il doit être encore en train de cuver. Oui. Non, on a arrêté de mettre des nains en ennemi, j'ai du mal à les voir. Le HPE. Je pense que le snipe ne veut rien dire quoi. Oh les bâtards! Ça pète de partout! Ah bah avec mon sniper, ouais, hein, c'est. Ton petit singe il peut prendre des tonneaux et les balancer? Ouais? Nul! Donc qui compte? Donc bon, après, croyant que c'est un ennemi, j'ai tiré dans le tonneau qu'il allait lancer. C'est une autre histoire. Le bâtard. Ouais, c'est quand même vachement mieux que d'avoir une gamine aux cheveux bleus qui nous suit. Hein. Oh le bâtard. Un tueur à gage brutal, les gars, attention, c'est dangereux. Ouais, un tueur à gage tout court aussi. Hein. Non, je déconne. Merci. Oh mon dieu, un salut brutal. Un gage brutal. Il y a de plus en plus de brutaux. Attends, regarde. Je sais rien. Voilà. Il est où? Je sais rien, oh, regarde. Voilà, regarde. Boum. Boum. Ah, on a pu. Le loot. Là, il y en a un autre derrière. La merde. Vas-y, Brick, casse-lui la gueule. Sympa ce sniper, fais voir un peu. Oh, Brutas m'est rusé. Rappelle un peu mon frère. Lui aussi était énorme. Donc vous êtes en train de me dire que ce truc est un sniper? Oh, ça me rappelle mon premier sniper dans le jeu. Pistolet Torg, ça intéresse du monde? Oui, bien sûr. Ça intéresse tout le monde. Monsieur, vous avez dit le bon mot, c'est Torg. Alors, j'ai le droit de dépenser des compétences. Ça, c'est Torg? Ça t'acceptes ou pas, Zarky? Un, deux, un, mais... T'es où? Là, je fais l'échange. Je... J'aime ton enthousiasme, mon ami. Après, ça sera quoi? Des munitions régénérées. J'ai que du Torg, hein, si tu veux. Moi, je régénère des munitions. Non, 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 ça va, non, pour l'arme en main. Attends, j'aurai munitions illimitées. On fout ça. Comment je fais pour le retirer? Je peux plus. Oh, vas-y, donne. Vas-y, vidé. Tiens. Je te donne le pistolet. Oh, il est tellement mieux que dans le 2 ou dans le 2. C'est pareil, il pue la merde. Pourquoi il veut pas que je lui parle? Parce que tu tapes pas assez. Oh. Cette charogne d'Azlan s'est enfuie par les égouts, et j'ai bien failli l'arrêter. Mais on est arrivé dans un cul-de-sac, un conduit où l'eau se jette dans le vide. Cette fois t'es cuit, Azlan. Parce qu'il y a un Murloc sauvé entre guillemets avant. Il me répond en hurlant. T'es trop gentil. Il va à la Evolution. Je vais tout ramasser. Et puis, je suis pas fanat des Valchias. Qu'est-ce que c'est un très bon ramasser. Par la brique. Oh, bah, il suit, donc ouais, allons sauver un Murloc, et puis il va suivre, puis voilà. Par où, monsieur? Je sais pas où il est, moi, un Murloc. Ça a l'air d'être. Pour l'instant, il sait toujours brique, moi, que j'ai. Bah, moi aussi, mais le problème, c'est que brique, il. Il bugue, il brique. Oh les gars, venez où je suis, il y a du loot. Ah bah Brick, salut hein. Ça m'a fait plaisir de te voir, mais t'es toujours aussi con comme un enfant de balle. Ah non, c'est parce qu'il nous suit, donc en fait on est censé savoir qu'on est censé aller là-bas. Je lui ai dit, mais personne ne m'écoute. Il est où ton... C'est maintenant que tu t'en rends compte. Oh, où, là-bas qui, Bah moi je suis fou, je sais que c'est un piège. Mais c'est de la merde! En plus Brick il me suit quoi. Comment ça Drake et Rage? J'ai vu mer aussi. La mer des Grogan. Quoi? Comment ça les Grogan? La mer des Grogan! Elle est où? Bah elle a disparu.
Bon, toi tu m'énerves. Arrête de bouger que je te tue. Fils et vertu. Fils et verso. Déchanté. Je crois que je les ai niqués. Ah bah, je crois que le bazooka a fait effet à la fin. Légendaire. Il est où légendaire? Là. J'en ai pas. C'est un fusil à pompe cheddar. Une grenade qui s'appelle On s'accroche. Se divise en deux grenades. Arrête de jouer et accepte. Quoi encore? Mais pourquoi on veut me donner des trucs encore? Ta gueule et accepte. Ah, c'était pas pour toi, Florent. Putain! Tu veux donner quoi? Voilà. Tu. Dis donc, tu seras pas déçu. Heureusement que ces cartons sont high-tech et il y a une petite lumière verte pour dire qu'il y a un truc dedans. Parce que... Ah, pourquoi tu me refiles ça? Ta gueule et accepte. C'est notre nouveau credo, ça. Comme ça, il me saigne les couilles, vous pouvez remplir mon inventaire. Oh, j'ai trop de trucs dans mon inventaire aussi. Level 27 en plus, te merde. Ah, mais attends, ça me fait penser que j'ai un niveau à prendre. Hein. C'est quand même un des rares jeux où tu te fous, tu ramasses plus de loot que tu ne prends, enfin que tu t'intéresses au niveau, quoi. C'est... Alors que dans le 1, je vais te dire, quand tu gagnes un niveau, tu le mets tout de suite, hein, parce que putain. Y'a du loot en bas encore. Ah bon? Non, à moi. Il y a une caisse d'armes, donc je sais pas si ça va être du bon loot, mais. J'ai roté du sang, j'ai fond du BA. Ah ah, c'est là. Du blue d'angel. Oh, j'ai du violet quand même, toi. J'ai... Le mieux que j'ai eu, c'est du bleu. Hein. T'inquiète pas, ça va bien se passer, même si ça m'a table rasté hein, quasiment, mais. Okay. Bon, ah, le scat, c'est quand même vachement plus drôle. Hein. Le singe pour le moment. C'était pas là qu'il fallait aller? Non, c'est. Je sais pas, nous on explore, monsieur. Je crois que c'était. Une mission secondaire, Hammerlock il est quelque part, il nous attend. Et nous on a amené Brick, mais. On a amené Brick à... Alors tu vois, Brick c'est un peu un dédat, tu vois, il te suit parce que bah je sais pas où il faut aller. Et c'est vraiment important à Hammerlock. Moi j'irais bien vendre parce que je suis un peu fou. Parce qu'au final c'est le loot qui est plus important. Ouais, mais là il est où Hammerlock? C'est pas ici. Y'a pas un truc yeah. À part au départ? Enfin, au départ, oui, y'a des trucs pour moi. Comme on a fait tout bugger. Oh, oh, du violet. C'est quoi? Un bouclier. Y'a un endroit où on doit entrer pour aller faire chier à Murloc. Bon. Voilà par hasard. Bloqué. À la base, Brick voulait nous emmener ici. On peut pas monter sur les chaînes. Et techniquement, qu'est-ce qui nous empêche de monter par là? Quelque chose, c'est pas possible d'avoir un levier, on est dans le genre, non? Alors un Murloc il est quelque part et... Alors, on va faire quelque chose que, voilà, hein, on va lire les cartes. Hammer Block, ça comme nous. Alors, vous avez un verlage de Prométhée... Alors Hammerlock est censé être là, quelque part, en mauvaise posture.
très en mauvaise posture, oh là là, je... J'ai essayé de monter par là, Zarki, mais on peut pas monter. Pibri qui veut pas nous parler. Et là-haut, là. Alors là. Je crois qu'on va devoir faire appel à la solution. C'est pas plutôt parce que Brick a bugué et puis bah. Qui devait nous parler, puis que voilà. Faut laisser Brick vous ouvrir la porte. Viens ici, Deda, viens ici. Et où ici? Viens là! Ah là! Où je suis là? Là. Techniquement, je m'en suis approché, hein, et Brick il a pas ouvert la porte. Ouais, mais. Il était peut-être pas assez proche. Je veux pas que j'aille le pousser au cul comme la topo guichet là. Non, mais moi je pense qu'il a juste bugué, hein. T'as bugué? Bugué, faut. Viens, faut peut-être être à 4 devant. Que tous les joueurs soient là. Je le pousse. Mais va. On le voit vachement bouger, vas-y, continue, t'inquiète. Mais moi je pense que oui, faut juste reload. Ouais, enculé là! Mais faut reload cette porte! Bon bah, on va reload alors. Là, il a juste bugué, c'est rien. Ah bah, dis donc. C'est ça de faire des. C'est ça de faire des priorités sur Epic. Hein. Il a fallu au final, que on n'assume pas. Il a fallu que Borderlands 3 me fasse détester mon perso préféré du 1, hein! Enculé, va! En fait, c'est Deda qui a bugué, je peux plus le rejoindre. Non, c'est juste toi qui bugué. Peut-être retourner. Juste qu'il a pas relancé la game. Mais là, je viens juste de relancer, là. Okay, allez, allez, allez. C'est pas assez vite! Non, mais où? Ouais, ça va, Non, tu peux le rejoindre, sauf fais pas ton handicapé. Bah, moi, y'a que Marc qui est invité, hein. Ça, il a qu'à rejoindre. Reviens dans l'onglet. Par contre, il y a des et tout, alors bon. Quoi, ils sont venus? Winky Winky. Ça fait du loot en plus. Et en plus, ils les tuent sans nous attendre. Bah, les trucs qui sont sur moi en train de me chatouiller la prostate, ça fait plaisir au début, mais puis après. Recule. Mais mec, écoute, moi si je recule, ils avancent, hein, donc. Tu sais ce qui se passe quand il y en a un qui a avancé contre toi. Y'a un tic à butin. Quoi? Y'a un tic à butin. Ah oui. Voilà. Y'a un gobelin butin quoi. Le Borderlands 3 à 7€ cache mon. Ah déjà que sur PC ça bug, alors sur console, à mon avis la console elle fond. What the? On déconne. Oh, le même bazooka que moi mais en mieux. Le lanceur de soleil là? Ouais. Bah je crois. Oui. Mais pourquoi il est. Oh. Ah bah voilà. Bah on avait le loot sous les yeux et puis bah il a disparu quand tu l'as pris. C'est con hein. De château et prostate, je suis sûr que tu es. Bah comme tous les hommes paraît-il. Ensuite faut attendre l'adaptation quand même. J'en sais rien moi les gars, j'en sais rien. Moi je. Alors j'ai un sniper, je suis pas là pour parler sexuellement. Mon Brick. Content de te voir. Loul. Un peu dégénéré. J'attendais le signal de notre experte en démotion. En fait, c'est parce qu'on lui a pas parlé, on a foncé dans le tas. Du coup, ça a bugué. Parce que Brick, il considérait qu'on lui avait pas parlé. Alors qu'il fallait lui parler là. Sauf que comme on est arrivé comme des débiles en tirant partout, l'histoire, elle a dit: mais non, mais t'as pas parlé à Brick! C'est le MJ qui a dit: non, mais faut parler là-bas c'est en fait. Littéralement ce qui vient de se passer.
Parce que là, du coup, oh, mais ton cul. On va devoir se rebattre contre les mêmes mecs. Mais non. Il va ouvrir la porte. Nouvelle dépense prévue, MK11 Ultimate. Ah, j'adore Mortal Kombat, j'aimerais tellement le jouer un peu plus. Quoi. En plus, il est génial, le dernier Mortal Kombat. Ah d'accord, monsieur, il tape dans la console et ça permet de l'ouvrir. Ah, moi aussi, je serais pas mon PC comme ça. On m'appelle le portier. Et ma stock aussi. On m'appelle plein de choses. C'est ok, bon, tu sais pas fermer ta gueule. Moi aussi, sauf que c'est connard. Attention. Punching ball. Fanatique brutal, dans ta gueule. Ouah, j'ai décollé. Le sadique brutal. This is my boomstick. Boomstick. Je suis un sadique brutal. C'est mort. Je suis sur site. Je suis sur site. Venez. Aidez-moi. Mais quand même, ça fait pas sa part, ça. Mais. Tu peux dire à la tornade de qui est chez toi de se calmer, s'il te plaît. On y est presque, et crois-moi, t'as pas chaud. Et alors, moi aussi, il fait chaud. Moi, je l'entends pas, ma tornade. Ah, bah, ferme ta gueule. Je suis pareil que Dédor. Moi, je sais que tout à l'heure, quand je vais essayer de me lever, mon siège va venir avec moi. Waouh, y'a un sadique brutal. Oh là là, ça fait impressionnant, regarde. Ah, il est pas mort. Oh, niveau. On va voir la pilou des gringos. C'est vrai que j'ai mes nouvelles grenades à tester. Grenade! Grenade! C'est des drones. Bon, je sais pas, ça dépend. Oula! Elles font pan 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 quand même. J'ai vu un sadique brutal partir à l'opposé de la map. Non, le loot est coincé en hauteur. Yes. C'est quoi ce marteau? Je fais un gaz. J'étais déjà mort avant que je tire dessus. Ouais, c'est normal, je l'ai battu. Oh, c'est un type brutal, les gars! Attention au tac! Eh, hey, Mastop, tu rappliques ou quoi? J'ai le quartier d'Amurloc en visuel, mais les descendants foncent vers moi! Oh. Une seconde, l'homme Piaf! Je vais t'aider! L'homme Piaf? Bah, c'est Mordecai. Ah, bah, Mordecai. Belle technique! D'habitude, vas-y, je le loupe là-haut, tout moi. Seul, mais on forme un super duo! Faut que j'aille aider mon sniper! Ah, c'est juste qu'on toi, est 5, quoi. Va retrouver la pinou des glingos! 5? Bah, il dit on fait un super duo, mais bon, c'est parce qu'il nous compte pas dedans, quoi. Ouais, ou... Enfin, on peut tous dire ça, quoi. Mmh. Ah, plus tard. Bon, je préfère vous prévenir. Lapinou des Glingos est un petit prodige des explosifs, mais... Cool. Comment dirais-je? Elle est complètement ravagée. Ça va être Tina. Oh, rien de nouveau sous le soleil. Attends, les personnages de Borderlands sont tous fous. Waouh. Est-ce que ce serait pas Tina? Ah non. Ah. Ah, quoi non, c'est Jinx. Tina. Je veux maintenant procéder à la lecture de l'acte d'accusation. T'as kidnappé mon... T'as bougé. Je te l'avais dit. Ah, c'est Tina seulement. Excuse-moi. Tina. Là, quand Tina grandit.
pas faire grandir. Bah, un peu comme toutes les waifus, elle est restée une taille respectable pour faire bander un peu tout le monde, quoi, on va dire. C'est ce que j'ai dit, ils l'ont fait grandir pour DeviantArt. Eh, hey, 5 cm, hein. Revenons au jeu, Zarky. Ah, arrête de parler de ta bite. On y va ou pas ? Faut souvenir les petits commerçants, il meurt plus, s'inquiète, on te croit. Oh là, la voix a changé par contre. Ok, alors voilà tout. Salut. Alors, un Murloc est dans un quartier sécurisé avec une très grosse porte qu'on doit exploser, mais. Mais c'est un peu par. Comment que DeviantArt se gêne pas à ça ? Ouh, mais ça. DeviantArt, 34. T'inquiète. Les artistes. You already porn. Ce n'est pas du porn, c'est de l'art. Oui, bien sûr. L'art avec un grand cul. L'art. Ah bah c'est la défense, hein, je suis désolé. Hein. Le truc qui permet à plein de mecs dégueulasses et bizarres de s'astiquer la nouille devant des gamines de 10 ans. Quoi. Bon, non, mais c'est une sorcière qui en fait a 10 000 ans. C'est bloqué, pourquoi c'est bloqué? Parce qu'il manque un truc à trouver sur la map. C'est de la culture, je... Ok, celui-là était bien placé. Corentin qui a fait une bonne blague. Mais bien, hein. Je peux en supporter plein de mauvaises pour en avoir une bonne. Ça. Yep. Y'a plus de... Yep. Ah si, y'a une mission. Je suis vraiment brutal. C'est marrant ce ton stagiaire tire en vrai. Hein. Ça revendu. Eh. Eh le piaf. Il y a pas longtemps j'ai vu un article, c'était une artiste. Elle était en train de peindre, mais elle était suspendue au plafond pour peindre, tu sais, la toile était au sol. Et Ouais. Et sa contribution un peu à cette technique qui a déjà été faite par plein de fois. C'est qu'en fait, elle avait juste pas de pantalon et elle était suspendue par le cul. Mini-moi, ça me rappelle un film d'une grande culture. Alors, oui, mais elle est pas suspendue par le cul dans The Big Lebowski, tu vois. Ah d'accord, ouais, non mais oh, c'est moi là. Monsieur Lebowski, est-ce que vous aimez le sexe? Pardon. Le coït. Putain, ok. A big Lebowski. Where's the money, Lebowski? On va couper ZZ! Un hommage vibrant à Hammerlock. Putain, il est génial ce film. Ouais, je le vois. Quoi? Oh, oh, oh! Tu viens de signer ton arrêt de mort pour l'arrivée au mariage, je te le dis tout de suite. Hein. Quoi, tu veux me le montrer? Ah bah, pas seulement le montrer, tu vas t'asseoir et tu vas le visionner parce que te le montrer, bon, je pourrais juste montrer la jaquette quoi, mais. Bah, en vrai, avec plaisir. Ah, il est excellent. Mais surtout, t'auras pas le choix. Tu as vu le film, Clairson? Oui. De la chance. Lequel? Le français qui est en réalité le meilleur, hein. Oui, je l'ai vu 3 fois. Parce qu'il y a pas longtemps, on m'a dit, hey, t'as vu Jackie Chan, il s'est déguisé en Chun-Li Street Fighter. Et sur le coup, j'ai rien dit, puis je fais, ah, mais attends, mais oui, mais c'est dans le film Nicky Larson, mais chinois, enfin. Ou Jackie Chan et Nicky Larson, il me semble. Et il a une scène. C'est une connerie. Mais il a une scène où il se déguise en Chun-Li parce qu'il il y a une scène Street Fighter, il se déguise en Chun-Li et tout, et il fait la pose. Le film, c'est The Big Lebowski. Croyez-moi les gars, vous êtes pas prêts. En vrai, c'est pas un film qui te la touche, mais... Ouais, faut le voir. C'est de la vraie en fait, c'est de la vraie comédie, quoi. Ah, c'est pas de... Oh, le salaud d'Yours. Il a fait quoi? Il a pris l'ascenseur. Il a pris l'ascenseur. Devant mon nez.
ça m'a fait rire. Je voyais, je disais, oh, je le fais. Oh, oh, allez, allez, allez. Le problème de, le problème de la comédie maintenant, c'est que c'est beaucoup de comédies sur des moments malaisants et des gens complètement déconnectés. Enfin, c'est pas drôle parce que c'est abusé, quoi. Faut avoir de la comédie française surjouée, quoi. Sur scène ? Bah, à côté de toi. Putain, The Big Lebowski, c'est vraiment du comique comique. Bah, c'est surtout que tout, en fait, on pourrait se dire, ouais, c'est abusé, mais non. En fait, ça pourrait juste être toi à la place. Ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment genre, mais c'est pas irréaliste en fait. C'est ça qui est incroyable. Tu regardes les comédies françaises, tu fais non mais c'est abusé, jamais ça arrive ça. Mais alors cette comédie là, enfin tu te dis mais. Cependant. C'est toi, qu'est-ce qui t'arriverait si jamais tu te faisais retrouver dans une histoire de folie, quoi, là, ouais. Pire que Full Metal Jacket. Enfin, Full Metal Jacket, c'est pas... C'est pas comique. Ah, c'est vraiment pas le délire, quoi. C'est... Je vais voir un sadique, je sais pas où il est. La seule, le seul point commun entre ces deux films, c'est que ça parle du Vietnam. Hein. J'ai fait moi, Vietnam. C'est déjà beaucoup. Hey, on baise pas Jésus. J'ai perdu, c'est ma bite. C'est comme Idiocratie, tu vois, c'est exagéré. Mais putain. Il y a des trucs qui fait mais. C'est drôle, mais c'est. Voilà, tu le vois, tu le regardes une fois et puis c'est tout parce que c'est exagéré. Alors que le Big Lebowski. Oh ouais, non mais. C'est vraiment. Là, ils sont en train de se dire, mais vous saoulez avec votre film à la con, il ne va pas si bien que ça en plus. Et pour... Bah non, en fait c'est pas, enfin à chaque fois que je le présente à des gens dans ma tête, tu vois, je dis ouais moi ça me fait rire, mais en vrai c'est pas non plus, tu vas pas me pleurer de rire non plus, tu vois. Mais à chaque fois que je le montre à quelqu'un et que je me dis ouais je pense ça va pas aimer la personne, bah la personne elle aime carrément, genre même ma femme elle a aimé, tu vois. Mais genre le coup des cendres et tout, j'ai plus. C'est con, mais... Et comme après du super boulot, je te file une nouvelle promotion. Je te nomme spécialiste en livraison de... Tu fais chier, Walter. Bien mérité, mais la tout ce que tu fais, ça tourne à la rigolade, la bouffonnerie. Putain, mais... Putain, merde. Non, c'est pas Walter. Il y a un moment, il flingue quelqu'un et j'étais en mode... C'est... Il y a un moment, il flingue quelqu'un de mémoire, non? Non. Je sais plus. Non, mais à un moment il sort un gun, Walter. Ouais, mais ça. Il fait tu. Tu te retires tes points! Parce que genre, il a mordu la ligne. Il sort un flingue en plein bowling. Tu sais, on a tous ce copain qui prend la mouche, mais pour rien, tu vois, qui veut trop faire le dur, alors qu'en vrai. Enfin, lui il a un flingue, que le dur il peut le faire. Ouais, mais bon. Oh, il est Iridium. Je fais rien, c'est sabbat. C'est du mauvais humour. Non, c'est pas du mauvais humour. Au contraire. En fait, c'est de l'humour, mais pas exagéré. C'est-à-dire que. C'est réaliste. C'est de la merde. C'est pas intéressant. Ah, il y a une quête pas loin de toi à prendre. Ursen. Non, c'est pas une quête. Si, donneur de mission. C'est. Derrière toi. En fait, c'est le moment qui n'existe plus de nos jours, quoi. C'est ça qui est bizarre. Tout droit. Ah oui, je vois. C'est ni exagéré, ni surréaliste, ni malaisant. Parce que maintenant, les comédies, maintenant, c'est beaucoup malaisant. En mode, c'est drôle parce que c'est malaisant. Ou c'est drôle parce que c'est complètement déplacé. Alors que là, non. C'est juste un mec plus ou moins normal qui pourrait tous nous ressembler parce que c'est un ringard, quoi, on va dire, c'est un raté surtout. Vas-y, on a retrouvé des dards. Griffouille. Oh, Sanguine a disparu. Chasseur de l'arche. Ah oui, elle meurt. Oui.
Oui, c'est vrai, je l'ai. Attendez-moi! Dans le sens, il y a du monde noir. J'arrive! Non, même pas. Non, même pas, c'est, y a, c'est pas. C'est de l'humour. C'est ni humour noir, ni humour absurde. Bon, un tout petit peu. C'est absurde, un enchaînement. Disons que c'est un enchaînement de situations où. Bah. Bonjour, camping normal, bonne chance. Oui, c'est de l'humour complètement réaliste et terre à terre. Et en vrai, tu vas rigoler, mais. Parce que tu t'y attends pas. Parce qu'en fait, tout le film, il te prépare pas quand il va y avoir une scène d'humour. En fait, c'est juste. Il... Boum, il y a un truc drôle. C'est tout. Et qui arrive naturellement, et tu le sens. Comme tu le vois pas venir, bah tu rigoles, tu souffles du nez, quoi. C'est comme un film d'horreur, un mauvais film d'horreur. Vous le savez quand le méchant est arrivé. Comme là, le dernier Resident Evil, le coup des zombies qui est devant, puis tout d'un coup, il est plus devant, et c'est un zombie à la gauche du mec qu'on n'avait pas encore vu qui nous attaque. On s'y attend, tu vois, on s'en bat les couilles. Alors qu'un bon film d'horreur. Pas moi, à tout hasard, Alien, où t'as plus peur parce que tu vois pas la créature, parce que la seule fois où tu l'as vu, t'as fait un bond de 15 mètres parce que tu t'y attendais pas. Le zombie de cinéma, ouais, comme dit JDG, mais il a raison, hein, c'est un JDG à la con, enfin, tu vois, un zombie, c'est... il a pas de cerveau, donc, enfin, il est censé agir comme une bête sauvage, quoi. Ou alors à la Romero, avoir des souvenirs rémanents de ce qu'il était avant, ou ça je peux... Ok, tu vois. Mais alors le zombie qui disparaît alors qu'il était devant toi et qui t'a vu... La sortie est dégagée. Tina, t'es prête ? C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment de la pizza. Archer de l'Arche. C'est aussi ce que j'ai kiffé dans le dernier Nicky Larson, il a mélangé, enfin, ouais, je vais dire le dernier, bah, le Nicky Larson de la show, là. Merde, mais il a déjà posé la pizza, ce con. Oh lol, c'est les... À la porte a tenu. Ah, tu vois, bah tu vois, The Big Lebowski, c'est ça comme humour, c'est tu t'y attends pas du tout en fait, en mode parce que... Voilà. Ouais bah normal, tu t'attends à ce que ce soit la porte qui explose. Putain mais, ça c'est un plan de Nishikawa, ça c'est un plan de JDR, c'est... La porte est trop solide, ouais, pour le mur. Le gardien, cruel. Mangeur de cailloux. Il mange des cailloux. Mange des cailloux. La caillasse de tes morts. Et ouais, dans le Nicky Larson, il mélange plein d'humour différents aussi. Il y a de l'humour absurde, mais il y a de l'humour très terre-à-terre. De l'humour de répartie aussi. Entre Nicky et Laura, et c'est cool. C'est ça qui fait qu'il est drôle, le film. Ouais. Par contre, je préfère regarder 1000 fois Nicky Larson que le film. Que lequel? Quoi? Que bah, The Big Game aussi. Ah oui, bah il est plus Bah il est moins vieillot. Oui, c'est ça. Puis bon, c'est Nicky. Puis surtout The Big Lebowski, c'est pas un... C'est ni un film d'action, ni vraiment... Enfin, c'est... On va dire mais que c'est un film comique, mais c'est tout genre de... Oh, la roquette qui a fait mal. C'est pas un gardien, ça, c'est un Goliath. D'ailleurs, on en a pas encore vu vraiment dans le jeu par là. C'est un cadavre maintenant. Ouais, le dernier Nicky avec la bande à fille, oui, bah c'est celui qu'on parle, de toute façon. Il est très bien. Hein. Trouvez le point faible de la chaîne. C'est objectivement le meilleur film de Nicky Larson. Ouais. C'est cool que c'est un français qui l'a fait, tu vois, parce qu'en plus il a fait de l'humour, certes, mais il a aussi fait de l'action, et ça, les films français ils savent pas faire, tu vois. Les films français c'est toujours du drame, du mélodramatique, du comédie dramatique, de la comédie pure. Et regarde Zarty, je vais tirer la roquette là-bas. Mais t'inquiète, je l'ai vu, j'ai le même. J'ai le même, t'inquiète, hein. C'est égal. «
Mille merci, ah, chasseur de l'arche. Je ne suis pas trop mal en point, étonnamment. Ah, c'est pour le quatrième emplacement que j'ai eu déjà. Ou alors l'humour cartonnesque. Quant à ma petite incarcération, je suis au regret de vous annoncer que j'ai été offert à ces satanés jumeaux Calypso Mickey en Larson. Échange de la société Jacobs. Le drama. Par une véritable l'action, puis, l'humour, nommé le drame. Ma propre sœur, Aurélia. Ah, mais il le fait bien, Anor tu vois. Black. Quant à savoir pourquoi elle m'a vendu à la secte, eh bien, très simplement. C'est pour ça que Luc Besson, tout ça, je peux, on peut dire ce qu'on veut, mais lui, au moins, il a les couilles de faire de l'action, tu vois. La douleur est incommensurable. Bon. La famille, c'est il a moi, fait, fait un faire. Truc incroyable. Il a fait en sorte que tout le monde ferme sa gueule. De quoi? Ah, le Nicky Larson à la sortie, avant sa sortie, il me rappelle encore. Philippe Lachaud, tu veux dire. Ouais. Non, on parlait de Luc Besson là. Ah, non, c'est parce que. C'est parce que je Luc Besson, tu vois, je suis content parce que c'est un Français qui fait des films d'action et bah en vrai il y a que lui, tu vois. Et Philippe Lachaud, il a bien montré qu'on pouvait faire un film d'action slash comique avec du bon comique, pas du comique avec les mêmes acteurs, vous savez qu'on trouve plus drôle depuis 40 ans, limite, qui font tout le temps les mêmes blagues ou qui sont comiques parce que ce sont eux. Enfin, je veux dire, Jamel Debbouze, tu vois, quand il fait du comique, il fait du Jamel Debbouze. C'est tout. Le mec, il a un talent. Quand il était dans Indigène, il était génial. Mais, à présent, mais alors tu lui demandes de faire du comique, il fait du Jamel Debbouze. C'est chiant. À tes côtés. Je t'aime, Moonright. Adieu. C'est comme un sniper. Il dit quoi, non, là, parce que bon, ok, dit... alors. Rien, ceci est un sniper. Il nous aime. On a une autre quête. Je veux à moi. Loot. Un sniper, ce machin. Après, this is my sniper. Hein. Ça, c'est mon sniper aussi. Hein. Ah non, c'est plus mon sniper. Ah non, c'est ma mitraillette. Eh, ça, c'est mon snipe. Bah, lui, même. Ouvre la porte. Ça va. Bah, c'est ça. C'est ça. Ah non, c'est pour installer. Un peu la Will Smith. Ouais, oh, il y avait une antenne. Ouais, Will Smith, il. Bah, Will Smith, en fait, quand il. Enfin, en fesse, d'ailleurs. Quand il fait un film d'action, Will Smith, il fait du Will Smith. D'ailleurs, quand il fait un peu du comique aussi, hein, ça se ressemble un peu. Mais il est capable de faire des trucs dramatiques, hein, aussi. Eh ben, ah, on est obligé de se re-TP au début pour. Apparemment. Ouais, bon. Jim Carrey, oui. Par contre, il y avait une antenne juste devant l'autre. Il y avait une antenne à récupérer devant l'autre. Fait chier. En fait, le truc, c'est que. Le problème de Jim Carrey, c'est que quand il fait du comique, lui aussi, il fait du Jim Carrey. Il peut faire autre chose comme comique. Mais en général, les gens, ils vont kiffer parce que c'est du Jim Carrey en comique. Voilà. Et d'ailleurs, à lui seul, il a rendu culte, par exemple, le masque, Ace Ventura. Parce qu'il fait du Jim Carrey. Et quand tu le mets dans le bon rôle comme l'homme mystère dans Batman, effectivement, Batman Forever, tu l'enlèves. Bon, heureusement qu'il reste un peu Schwarzy à côté. Qui moi, bon, je trouve, on a une cache-cache, une antenne à récupérer. Un bon truc, quoi. Ah, par contre, si vous vous téléportez, moi ça me téléporte pas. Non. Non. Mais c'est vrai que dans Je suis une légende, il est pas mal. Hein. Téléporter où? Ah! Moi je dis, faut que je tire une roquette. Non, moi j'ai été l'un des acteurs que je trouve qu'il peut faire tous les rôles et qui m'a bluffé avec ça. C'est. Merde, j'ai oublié son nom. Vous le connaissez tous, c'est le père de Malcolm et le héros de Breaking Bad. Ian McKellen, non? C'est pas ça? Je sais plus son nom. Ian Malcolm. Bah, le père de Malcolm, de toute façon, littéralement. Quand tu regardes la différence entre Malcolm et Breaking Bad, par exemple, ou Godzilla. Il est capable d'endosser des rôles de ouf, quoi, et c'est un mec qui m'a fait à la fois mourir de rire et pleurer. C'est incroyable.
Il est génial cet acteur. Incroyable. Bon. Non mais Ian McKellen, mais non, c'est une chose, mais pourquoi je suis bien. Je sais plus son nom. C'est ouf. Il y a la cage qui a été ouverte au fait du. Elle est où la cage? La cache. Il faut revenir, je sais plus, je crois que c'était dans la prison. Moi. Je vais suivre Zarki, ce sera plus. Alors, au lieu de rusher à l'intérieur de tout, tu abattrais les ennemis qu'il y a autour de toi. Ils, tu en fait, les ennemis sont apparus après. En passage. Ouais, Ian McKellen, c'est un des vieux. Hein. C'est un des vieux, là. Putain, je confonds les acteurs, quoi. Mmh. En tout cas, voilà, quoi. Et du coup, j'espère que, tu vois, la petite qui dans Stranger Things, là, fait Eleven, c'est ça? Eleven. Elf. Ouais, et qui a joué du coup dans. Bah, c'est... Ouais, je m'en bats les couilles, la meuf. Et qui a joué. Elle a joué dans Godzilla. Et elle fait d'autres trucs dans Godzilla 2. Et elle a fait. Elle a fait d'autres trucs. J'espère juste, par contre, parce que dans Godzilla 2, elle avait le même rôle un petit peu que dans Stranger Things. C'est la gamine un petit peu rebelle. Femme forte, déjà indépendante et tout, alors qu'elle est c'est une adolescente. Oh, okay, j'ai pas d'un tout, man. Et j'espère que ça va pas être un peu comme la meuf de Fast and Furious qui avait aussi un rôle dans Avatar, qui était une pilote d'avion là. Enfin, c'est pareil. Ah oui. Nom, ouais. Et elle fait les mêmes rôles. C'est la latino qui conduit des gros trucs avec des grosses gâchettes. Elle a qu'un rôle, et limite quand tu la vois, elle fait toujours le même rôle. Et dans un autre film, je l'ai vu, elle avait le même rôle. Mais ça, c'est souvent Le cas. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment la faute des acteurs, c'est beaucoup le. Bah, les gens en fait, ils cherchent. Bah, c'est comme Jim Carrey, quoi. Ça. Le Jim Carrey, quand on le prend, bah, on veut qu'il fasse du Jim Carrey. Alors qu'il est capable de faire des trucs. Là, quand tu vois une actrice comme Sigourney Weaver hein, par exemple, on sait qu'elle entre Alien et Avatar par exemple, vu qu'elle est encore dedans. Et SOS Fantôme. Quoi? Oui, oui. Elle est dans SOS Fantôme. Elle est dans le SOS Fantôme, l'héritage ou l'autre, là, avec les femmes? Ouf. Pas avec les femmes, mais tout, c'est l'héritage. Pour les origines. Non, les origines aussi. Ah ouais? Bah, ok, c'est la gonzesse qui se fait posséder par les chiens. Mmh. Je sais pas. Mais en tout cas, Sigourney Weaver, bon bah, moi je trouve que à chaque fois que je l'ai vu dans des rôles différents, c'était des rôles différents. C'était pas Ellen Ripley, tu vois, c'était pas elle. Et d'ailleurs, même Ellen Ripley, hein, entre Alien 1 et Alien 2, par exemple, c'est pas du tout le même perso, quoi. Alors, il y avait la cache où on est parti, Deda. Pire avec Alien 3, c'est même encore pire. Non, je parlais de Deda. C'est ça qui est génial. En 4 films, elle a 4 jeux d'acteurs différents. C'est ça qui est... Oh! Vas-y, Deda! Je suis sur toi! Go! Ah, y'a plus de munitions, c'est pas drôle. Si, en fait, y'en a quand même, mais faut maintenir. T'es sur moi? Oui, parce qu'en fait. Alors, je disais tout à l'heure, tu as quand t'es en robot, on peut monter en support en arrière. Ah bon? Et ça saute. Ouais. Et on tire des petites balles. Pourquoi je vais là, moi? C'est pas du coup.
Tu cherches quoi? Tu cherches la cage ou la Je cherche la quête, je cherche la cage, je cherche où aller. Je... La cage, tu l'as passé. Viens. Martyrisé. Elle tourne derrière toi. Ouais. Elle a pas aussi joué dans Tortue Ninja le 2. Non, ça me dit rien. Tu vends tout. Ah. Ah si. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup les films Tortue Ninja. Les Calypso sont obsédés par le public. Si tu leur retires leur micro, ils vont avoir du mal à se remettre. En tout Attends, cas, c'est ce que j'espère. Non, c'est une vidéo. Je trouve que c'est quand même vachement couillu d'avoir réussi à faire un truc réaliste avec les Tortues Ninja. En parlant Tortues Ninja, si je dis pas de bêtises, c'est aujourd'hui la sortie du jeu. Oui. Bah, tu parles du jeu Nizemol à Street of Rage. Oui, celui qui devait refaire là, le team. Alors, c'est soit aujourd'hui, soit demain. Okay. Dans le genre, mais il y a déjà des gens qui ont accès, parce que notamment Benzaï a joué avec Antoine Daniel en mode OPC. Donc, j'imagine qu'il y en a qui ont pu accès. Et quand je l'ai vu, ils ont dit qu'il n'y avait pas encore le pass de déploiement. Je suppose que soit c'était aujourd'hui, soit c'est dans là, demain, comme ça. Le dernier, le quoi? Tortue Ninja 2, bon ça va. Hein. Franchement. Le dernier c'est des mutantes. Bah oui, mais c'est une version réaliste de littéralement des tortues mutantes. T'aurais voulu que ce soit quoi? Évidemment, ça ressemble à des mutants. C'est des mutants! Oui, j'ai plus cassé! Je veux dire. Il y a un moment. Oui. Comment t'as fait pour entrer dedans toi? Ici, il y a un truc. Ici. Oh. Normalement, là, il y en a un truc. Là? Ah, mais ça. Ah, mais monsieur. Mais la porte s'ouvre pas, donc je fouille. Mais quel Fallout choisi là? Franchement, les mutants de Fallout 1 et 2 étaient vachement plus horribles. C'est du 3-4. Parce qu'ils étaient vraiment c'était des monstres quoi. C'était le 1 et le 2 c'était des cinématiques bien gore en vrai. Hein. Mmh. Je vois pas de quelle tortue ninja tu parles alors parce que si tu ne parles pas de se faire un film. C'est pour me parler des tortues ninja qui ont été traitées dans les JDG. Oui bah oui, forcément. Ça semble pas. Non. Et il y avait plus les moyens quoi. En fait on est venu ici mais c'est pas la fois ça. J'ai l'impression que en fait on doit aller ici plus tard quand on aura ouvert la porte. Yorsen, comment t'es passé? Bah je suis passé par l'entrée principale. Bah ouvre la porte. C'est parce qu'on est coincé nous je crois. Bah je peux pas l'ouvrir. Mais putain mais ça a rien ce que... Bah elle est bloquée, apprenez à faire le tour comme des grands hein. Bah on veut plus sortir de la bombe. Ah bah c'est con hein. Ah non y'a bien une... Oh je vais faire la quête pour vous. Ah regarde, hop, je suis aujourd'hui. Hein? Bah t'as fait comment? Bah tu vois les gros V là? C'est quoi ces cadavres? Ah, voilà. Ouais. Oh, forcer un petit peu. Là. Un peu. Ah accroupi tu peux forcer. Ils m'ont pris Holder. En sautant ou pas? Non non. Continuez à chercher. Obligé de trouver des petits bugs de collision pour passer quoi. Ouah, des petits bugs. Pour rejoindre l'Ursen. Vous l'avez trouvé. Prenez-la. Pour rejoindre le gamin, il va se sortir. C'est la vie. Oh, en attendant, je me perds moins que vous. On n'a jamais été perdu. Regardez, on était devant la fameuse porte. Eh, je viens juste de l'ouvrir. Bah, Ursen, on n'a jamais été perdu. On a toujours su où on était. En fait.
Oui, c'est pas faux. En fait, le seul problème, c'est que la putain de porte, elle voulait pas s'ouvrir. En fait, on était du vrai bon côté de la porte, mais on est passé ailleurs, c'est ça? En fait, on était déjà à la suite de la quête. Bah ouais, c'est ça, en fait. On a speedrun. Mais nous, on voit toujours plus, c'est ça, là, en fait, le problème. C'est... Il est pas prêt, le jeu. On s'est dit que Yorsen serait plus rapide. Yorsen qui est récompensé parce qu'il a vraiment fait le jeu, quoi. Ouais, là, il a suivi les flags. N'importe quoi. Moi, ça me dérange. Ils sont où les tours? On dirait certains MJ de roleplay qui favorisent certains parce qu'ils suivent la quête alors que les autres avaient trouvé sans faire la quête. C'est bizarre, je ne sens pas visé tous. Les articles, dès qu'on parle de MJ, c'est un... Bah ouais, mais c'est l'habitude. Je peux comprendre. Pourquoi il y a des... Oh, c'est qui tire des rayons laser là? Lesquels? Les blancs. Comme ça là? Non, c'est un soleil, c'était moi. Ah d'accord, c'est toi. D'accord. Non, le rayon laser, c'est jaune, c'est mon drone. Un jour vous allez faire cracher les graphiques de tout le monde. Bah, c'est pas de notre faute, c'est leur jeu. Hein. C'est pas lui. Je trouve que ça tient plutôt bien la route, hein. Ça reste bien fluide malgré tout. Ouais, je joue en vrai. C'est de stabilité qu'on a eu. Bah, fouiller la cellule. Ah, inspecter Jules. Au lieu de tirer dessus. Au lieu de tirer des débiles. Par contre, je veux bien qu'on me relève. Hein. Il s'est fait mal à la cheville. Allez, remets-toi sur pied. Allez, glissez, chef. Non, on dirait les meufs en sport au bout de 20 minutes pour pas avoir de séance, quoi. Ouais, la bouclier te sert à rien dans le dos. Les Chloé sont en mode ah, je me suis fait mal, monsieur. Non, mais là j'ai vraiment mal à la cheville. Là, c'est sur piscine. Oh, désolé, j'ai mes règles. On l'a que des tous, c'est parce que... Le pire, c'est que, ouais, ils l'ont tout fait, ça. Au moins, il est manqué. Voilà. Tirez pas, vous êtes dingue. Vous aimez le sang, je comprends. Vous savez, les surins cracheraient pas sur quelqu'un comme vous. Venez voir. T'as pas besoin de parler dans le... Je peux savoir qui vous êtes. Micro, on est là. Vous êtes Holder? C'est Ramsden qui m'envoie vous sauver. Ramsden? Vous travaillez pour Ramsden, le doigt de fée? Le gars qui mange vraiment des doigts de fée au petit-déj? Les surins m'aident à échapper à cet animal, et vous, vous l'amenez droit à moi? Tu mets un bouchon de champagne sur ce début, ça stoppe le sang. Non mais en vrai, on est tous d'accord que c'est juste... Ce type de toucher à mes doigts. Je suis désolé, hein, je vais me faire bâche par les féministes ou autres, mais... C'est juste que elles se sentaient pas à l'aise parce que bah elles avaient leur agnagna et que elles mettaient pas de tampon, tu vois, ou autre parce que c'est parce que faites pas ça, c'est un monstre, il va vous poignarder dans le dos, protégez-moi. Donc elles avaient pas envie, quoi. C'est comme si toi, si t'avais un peu la chiasse, tu vois, t'as mangé un petit peu trop, voilà, tu fais des petits pets vaseux avec 2-3 petites gouttes qui peuvent sortir par inadvertance. Tu ouvres la porte. Je disais non, bah non, j'ai pas envie d'aller à la piscine parce que si jamais je pique aux têtes. Reste chez toi, Ramsden. Reste sur ton territoire. Et qu'on puisse, voilà, t'as peur qu'on te suive au sillage, quoi. Genre, j'ai mangé un américain double fricadelle, frites merguez, sauce samouraï la veille. Bon, je me sens un peu ballonné au ventre, donc j'ai pas trop envie d'aller à la piscine. Quoi. C'est... Comme si. Ah, tu veux juste faire un gros caca, quoi. Bah, c'est comme si dans une vraie. Enfin, juste. Imagine, t'as la même excuse quand tu fais un autre sport, quoi. T'es en mode. Attends, bouge pas, Deda, bouge pas. Bouge pas, j'ai un cadeau pour toi. Alors après oui, je peux comprendre qu'on peut être inconforté. Merci. C'est une légendaire en plus. Ouais. Faut aller où? Qu'est-ce que j'ai?
Duel Major, ils sont... Le stagiaire. Non, je sais pas, je l'ai en tête. Bastien Tourbé. Je vais prendre ça. C'est des armes Hyperion, c'est ça? J'ai des armes Hyperion. Est-ce que j'ai des armes? Non, j'en ai pas, quoi. Enfin, c'est couille. T'as pas d'armes? Ah, des armes, si j'en ai. J'en ai tellement que je sais pas quoi en faire. J'en ai peut-être même trop, tu vois, parce que au final, dans Borderlands 1, quand t'avais une arme qui sortait un peu du lot, tu la gardais longtemps. Là, t'as pas trop le temps, en fait. Je reste à prendre mes anciennes armes, mais je suis sûr que si je fouille, j'ai des nouvelles armes qui sont meilleures, tu vois. J'ai la flemme de changer tous les deux minutes, quoi. Moi, je suis prêt. Êtes-vous prêt pour le TP? Ah, non. Dites TP. Moi, je serais prêt pour TP. Non, je suis prêt. Vas-y, TP. Je pense pas qu'on puisse dire qu'elles ont de la chance d'avoir leur règle. Hein. J'imagine que c'est douloureux et tout sans aucun problème. Hein. C'est surtout que ça dépend des femmes. Ouais, mmh. Voilà. J'entends que certaines ont des problèmes. Enfin, moi, à chaque fois qu'il y avait des filles et qu'il y avait cours de sport, bizarrement, elles avaient tout un problème. Tu vois. À part les 2-3 qui étaient des garçons manqués. Surtout qu'en plus elles avaient pas énormément à faire, donc je comprends même pas pourquoi Après je vais rien dire parce que toi pour avoir une bonne note en secourisme pour la natation, tu devais trimballer le mannequin de l'homme, il devait juste trimballer l'adolescent. Je te rassure, moi, en musculation, j'ai eu une moins bonne note que des meufs de ma classe, et en endurance aussi, pour la simple et bonne raison que techniquement, j'étais censé faire tant par rapport à mon poids ou un truc comme ça, sauf que forcément, moi j'étais plus lourd en fait, et même si je soulevais plus de 100 kg en développé couché et hop, et ben non, alors qu'une meuf qui portait 20 kg en développé couché, selon les critères de notation, par rapport à leur poids, c'était bien. Donc, du coup, elles avaient 20 sur 20. Et moi, j'avais 16. Si Aurélia vous tend la main, c'est forcément. Non, mais il n'y a pas de favoritisme. Tu te gourdes, Eda. Alors qu'à côté, lorsqu'on a fait natation, mon pote, on avait dans notre classe une championne de natation. Bizarrement, même aux hommes, elle mettait un cul, mais de ouf, quoi, tu vois. Enfin, c'était une championne, quoi. Elle a fait un cul. Un peu des deux, parce qu'en général, quand t'es sportive, t'es désolé, hein, mais bon, t'es bien formé. Voilà, c'est comme ça. Accepter l'invitation d'Aurélia et détourner son attention pendant que je voilà, même dans la notation des hommes, elle aurait eu 2 fois 20, tu vois. Et après, j'adore l'odeur de la sueur c'est pas qu'il y a du favoritisme, non, il y a du sexisme, monsieur. Et si vous devez rencontrer ma soeur, bah en vrai, oui, c'est sexiste, parce que de base, on devrait tous avoir la même notation, donc on devrait couper la poire en deux, et demander moins aux garçons, et demander un petit peu plus pour les filles. Elle prend ce qu'elle veut. Bah, surtout, faut arrêter de faire croire que les filles peuvent faire moins que les hommes. Ou la fourberie de Trump. Alors, non, n'exagérons pas. N'exagérons pas, je suis désolé, mais non, non. Non. Pour avoir pratiqué les sports de combat, je peux t'assurer que même un mec qui était pas trop, voilà, tu mettais une fille de la même catégorie de poids, elle se faisait péter la gueule. Hein. Il y a un moment, non. Faut décrocher un petit peu et revenir à la réalité hein, parfois. Ça par contre. Et je suis bon. Mais après, non, ce que je veux dire c'est dans les sports hors combat, les sports d'école en fait, généralement. Ah oui, c'est ce qu'on disait, on devrait demander un peu plus aux filles, un peu moins aux garçons, couper la poire en deux, que tout le monde ait la même notation. Parce que c'est pas normal que je suis désolé hein, Céline, je t'aimais beaucoup, hein, mais bon, t'étais un petit peu en surpoids et t'as eu 17 sur 20 en endurance, tu vois, enfin. Alors qu'on a fait le même temps. Sauf que moi, comme je suis un garçon, j'ai eu 11, quoi. Juste parce que,
Ouais, j'avoue, j'aime pas courir, quoi. Enfin, courir c'est pas mon délire, quoi. Et pourtant ça devrait l'être. Okay. Non mais oh. Bah, pas tellement en fait, enfin... J'ai jamais fait de si sport qui demandait à courir pendant longtemps, tu vois. Enfin... Ah, vous êtes là-bas. Même au basketball où tu cours et tu comment dire, tu cours plus que des joueurs de foot, hein, parce que tu fais plein d'allers-retours en fait. Les joueurs de foot, quand ça joue pas dans leur côté, bah, ils peuvent trottiner vite fait, tu vois, alors que nous on peut pas en fait. Dans le basket. Le basket. Mmh. Ouais, je confirme. Et en fait, même au basketball, j'ai pas besoin de courir longtemps, c'est explosif en fait. Soit tu t'arrêtes ou tu fais de la prise de position et tout à coup, pouf, tu cours vite. Donc en sprint, ça va, mais en endurance, courir pendant 20 minutes, sans s'arrêter, en faisant rien d'autre que courir, putain, déjà moi ça m'emmerde. Je l'ai fait sur des tapis roulants pour la boxe, franchement c'est chiant quoi. D'accord, moi j'ai fait bugger la zone où je suis. Je suis dans une zone où je devrais pas être. Ah, on m'a téléporté. Bon, voilà. Ah voilà quoi. Il y a quand même une zone entière pour le manoir de Jacobs. Et ça c'est la classe. À chaque fois que tu ouvres une porte, ça explose. Ça sera comme dans Utopia, hein, le manoir de Jim Ross, ça sera une carte entière. Il y a même des quêtes secondaires. J'ai dit oui. Ça, c'est les quêtes secondaires aussi, tu rentres chez moi, c'est « Oh bah tiens, voici une quête secondaire ». La vraie classe, c'est si autant de cartes de ton manoir que de la ville. Ça sera drôle. Moi je me demande quelle va être la grandeur du manoir, mais de notre cher Autolicus. Ça se prononce comme ça se vomit. Ah, ça. Écrit dans un obscur livre qui sera mis en sécurité pendant que vous serez là. Il existe un livre chez moi qui ne devra pas être consulté par les joueurs. Il existe un livre, c'est faux. Même si je te ramène une délicieuse rosette de lion. Tu parles de ton cul. Non. Je suis bourré, et je sais que t'es bourré aussi, alors tu vas rester assis là et écouter ma mise au point. Alors, basket, mise au point. Putain. Le basket, j'avais arrêté depuis 5-6 ans à un moment. Combien de temps il te reste à vivre? Genre, ce qu'il te demande de faire au basketball, quand t'en fais au lycée ou autre, genre. Quel tableau! Quand tu sais faire un double pas, t'as 18 sur 20. Moi, je vive ma vie. Je suis pas une âme de pistolero. Et pour tous ces connards là-dehors. Alors, vous faites ça, et vous avez tant de temps pour marquer tant de temps. Eh oh, Deda! 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 J'avais même pas capté qu'il était là. Merci. Je sais qu'il me tape dessus. Le brutal derrière. Oh putain! Mais non, c'est un petit butin. Il est mort. Arrête de bouger. Oh, des Goliaths. Oh oui, venez, on en met un bruit. Bah t'as vu, je devrais arrêter de tirer dessus là. Attendez, oui. Attendez, il va s'énerver. Oui. Non. Putain, j'ai eu le... Tu sais, c'était Covenant avec David quand il tire dans le... dans l'alien. Non. Viens dans mon ordre, je vais te montrer. Mais j'avais un pistolet... C'était un pistolet Jacobs, il fallait que je l'essaye. Un frappeur. Mais c'est quoi la différence avec un sabre de tournoi? Bah c'est... Ça meurt aussi vite. Ah mais j'ai même plus besoin de recharger ça. Ah oui d'accord, même quand je tire ça régénère mes munitions dans le chargeur. Oh mais non. C'est pété. Oh mais non, Deda, mais non. Non, pas munitions limitées.
problème. Vous avez besoin d'assistance. Ça marche avec le lance-soleil? Bah oui. Bah oui. Ok, c'est parti. Neda va jouer au jeu. Nous on va regarder. Come on, baby. Prends la puissance d'un soleil, c'est ça? Sachant que mon mode de classe dit que tant que je passe du temps sans recharger, j'augmente de mes dégâts zone jusqu'à 100%. Loul. Oh, il est mignon. Oh, on dirait le lapin de... Faut suivre Nelly. Oh merde, c'est le lapin. Oh non, coffre Jacobs. Ah, c'est de la merde. Qui toi? Oh la... Ouais. Oh. Et donc ça, c'est le lapin de notre garde de chasse. Oh. Ah, ça régénère pas assez vite, Jim. Je suis déçu. Oh, plus. Donne les champignons. C'est un murloc de pack. Le T-Rex. Oh, laissez-le moi. Laissez-le moi. Jamais. Il y en a un deuxième qui arrive normalement. D'ailleurs, Arc est gratuit sur Steam. Prenez-le. Parce que j'ai encore espoir. J'étais déjà mais sur... Arc 2, Arc 2. Mais prends-le sur Steam, c'est mieux. Ok, bah je le prendrai sur Steam. J'ai encore espoir qu'un jour... on lance un serveur. Ouais, mais Minecraft. Bah, Minecraft, j'ai joué encore... j'ai vu que soi-disant t'avais fait des trucs. J'ai pas vu du tout. Oh, c'est la cache. C'est toujours pas le château de Dracula, mais bon. Je te merde. Disons que si on veut le faire ensemble, le château de Dracula, si on n'a pas de tuto, bah on peut pas le faire ensemble. Et j'en ai envoyé un. Oh, il m'énerve. Tu as envoyé un plan. Enfin, tu as envoyé, disons, une map déjà faite. Il n'a pas envoyé un tuto ni un plan pas le faire, de ça, spécial. Télécharger le truc et... Bah non. Ah bien. Vous avez okay, assez donc je dois te trouver un plan. Non, une vidéo. Une vidéo. Merde. Voilà. Et bah voilà, bah alors on se contente de la tuto. Oh, attendez, il y a un coffre d'iridium. Je vais t'en trouver un. Pas trop tard, de toute façon, c'est déjà fait le. Le sol. C'est de la merde. Tu as donné un coffre. J'ai un snap violet si ça intéresse. Ça en survit votre truc. Arc, oui. Mais Arc, il y a une histoire et tout. Enfin, c'est Pokémon un peu. Sauf que là, quand tu croises un ferro-singe dans la jungle, tu t'en bats les couilles, mais quand tu croises un Tyrannosaurus Rex, tu fermes bien ta gueule. En fait. C'est ça qui est cool. Oh, comme Conan, quoi, les premières fois qu'on a croisé l'araignée boss géante, on a fait... Ah, c'est bien. Hey, mais c'est quoi ça? Non, le château Minecraft. Ah oui. Oui, c'est en survie. En créatif, autant jouer au Lego, tu vois. Je veux dire, au moins, même mon fils, il peut y jouer. Bah après, on a un beau village, hein, pour 4 personnes qui l'ont fait. Le port, le village, il est pas fini, ouais. En vrai, niveau ressources, rien que Zotsu, je suis sûr que rien que son minage, on avait tout, quoi. Et moi, quand j'y vais, je mine du bois. Et encore, j'en ai bien miné du bois aussi. Ah bah maintenant, il faut que je continue à terraformer, puis enfin, et ensuite on pourra élever le château. On a mis une grosse place, hein. Bon, Zarkid, il a laissé pousser ses sapins là, quoi, mais bon... Ouais, bah j'ai tout cassé. Enfin, j'ai cassé une partie.
J'en ai replanté, moi. Non, j'en ai replanté. Si tu replantes pas, il n'y aura plus de bois. Par contre, c'est pas du optimal. Ah, tu la place au château. Tu sais, quand t'en mets 4, là, ça peut faire un gros. J'ai pas fait comme ça. Ah, ouais, ouais. J'en ai juste planté, quoi. Parce que je suis une brêle à Minecraft, hein. Faut savoir que c'est un jeu, c'est un des rares jeux où je suis nul, mais j'aime bien jouer. Oh, une antenne. Mais toi, tu te fais chier sur tout, donc teste pas les bonbons. Généralement, je dis rien. Je vous l'avais bien dit, j'ai mis un peu de cette soupe explosive dans cette. Et t'as commencé un bateau, il a intérêt d'être fini. Hein. Il a commencé un bateau ? Ouais, ouais. Il commençait une armature de bateau, ouais. Ah, mais trop bien ! Je l'ai pas vu. Et pourtant, je suis allé près du port. C'est normal parce que c'est assez loin en fait. Ceux qui trahissent le. C'est assez loin, parce que justement, je regardais les gens. J'ai creusé mon. J'ai miné. Là-bas et. Enfin, bah, j'ai pas vu. Ma femme ne reviendra sur Minecraft que si on lui dit écoute, on a besoin de toi pour un Black Pearl, quoi. C'est... Non. Eh, hey, mais c'est un coffre Jacobs. Qu'est-ce que c'est ? Un Hyperion ! Je suis assez doué, mais on construit, à part la maison que je fabrique, je sais quasiment rien faire. Bah alors t'es doué à quoi ? À se toucher la nouille. Parce que, en général, quand t'es doué à Minecraft, c'est soit tu sais faire de la construction... Merci de nous avoir offert un peu de répit, trésor. Soit tu sais miner. Beaucoup de ressources. Faites attention ! On voit pas mal de créatures inquiétantes entrer et sortir de chez elles. Donc, doué pour faire des villages, mais avec une seule maison antique. Ah, ça! C'est la guerre des clones, quoi. Ah, c'est d'une originalité. Remarque, nous on a demandé un château, on l'a toujours pas. Même pas les fondations. Bah, il a. Bah, si, il y a les fondations. En fait, Pearson, on lui a dit, écoute. Il faut, on se motive tous autour d'un projet et on fait ça. Et lui, il a fait tout le contour. Là, c'est comme si tu partais dans une ville parce qu'il y a un laser game qui arrive, tu vois. Et en fait, tu fais tout sauf le laser game. Il y a les entrepôts pour pouvoir jouer au laser game. Il y a les entrepôts pour les bâtiments. Il y a les entrepôts, il y a un port, on peut commercer. Mais avec qui? Bah... Oh, tu sais... Qui c'est vite dit. Il a même fait un phare, ce con. Il est pas fini. Ah si, j'ai fini la décanteur, pardon. Mais c'est pas fini, j'ai pas fini tout ce qui est les voies et tout ça. Le port, bah j'attends que notre très cher Zarki fasse des bateaux. Des bateaux ? Ça va aller, ah oui ouais. Moi, j'ai réussi, non. Je peux essayer d'en faire un, mais ça sera genre une soupe, comme dans Sea of Thieves, ça doit pouvoir être faisable. Il y a des tutos, ouais, c'est faisable. Si je regarde pas un tuto, j'ai du mal. Si, il y a des tutos, c'est faisable, tu peux faire des sous. Vous avez tué le Goliath enragé. Merde! Je cherche les petits poules. C'est le village des pygmées là, il y a des teams qui étaient pas dessus. Bah, c'est le. Asie. C'est le village des mutants. C'est le village des Oompa Loompa. Ouais, je reprendrai Minecraft. Je vais essayer de le finir ce bateau, mais il va même falloir de l'aide parce que bon. Bah, moi j'ai du bois en tout cas. Hein. Je sais pas ce que tu veux. Mais... De l'aide, essaye en fait. Ah, si t'as un. Bah, c'est. Ouais, après si t'as un tuto, moi je fais, hein, sans aucun souci. Non, je crois que tu. Un jour. Non, il fait pas. Ah, il le fait à l'instinct. Au talent. Ouais, au talent. Tu m'étonnes que tu galères. Hein. Ouais, pour le coup, la cote a pris forme. Zutsu m'a aidé. Mais Zutsu, je lui ai dit, vas-y, regarde, je fais cette maison là. Il me fait, vas-y, on voit ton tuto, on voit à quoi elle ressemble. Le lendemain, elle était faite. Et encore le lendemain, je suis gentil. Oh, mais j'ai fait pareil, hein. Je lui ai dit de faire. J'ai dit de m'aider pour faire. La forge, je t'aide un petit peu, puis je vais me coucher, je reviens, ah bah c'est fini, ok. Tout s'en fout.
pourquoi les chaudrons ils veulent pas casser. Et il faut utiliser l'arme qu'on t'a donnée. Ah ouais, mais si, faut lire la quête aussi. Putain, mais ils font que pop là, c'est pas possible. Ah oui, tant que les chaudrons sont pas morts, ils pop. Ça, moi c'est du chien dans ta gueule, double soleil. Mais ça veut de l'XP donc forcément. On va les pets. Oh, on va farmer. Aïe, je ramène une grosse armée. Vite, allons vers au-dessous pour le sauver, enfin je veux dire... Oh, pour tuer quoi. Pour farmer. Où ton armée? Bah, ils m'ont pas suivi au final. Ils sont trois. Non, ils étaient... je l'avais dit mec. Submergé par le terrible nombre de 3, nous avons rien pu faire. Nager par l'entour. Par le nombre de dunes, gros. Wouah, fanatique Bretagne! Tu veux l'arme à l'os? L'arme à l'os. Aïe! Aïe aïe aïe, tu dérailles, espèce de canaille! Là, par contre, je me suis fait tuer par une personne brutale. C'est bon! Je meurs pas, tu utilises l'arme de mission. Ah putain, mais des destructions en plus. Non, mais c'était des. Il me le dit dans le chat, tu vois, mais comme je suis un connard qui lit pas. Merci de ton aide, hein, parce que. Promis, je dirais. Vous l'avez mise en colère. Des forces ténébreuses vous attendent. Je peux pas reprendre mon bref. Du coup, moi, ça me fait. J'ai pas passé mon engagement plus tôt. Et là encore la vieille. Ah oui, c'est vrai, je peux sprinter en tirant. Ou tirer en sprintant. Je vais aller. J'ai la vieille. Où la vieille? Elle. À la walkbar. Tu l'aigues. Oh le... la merde. Pour la bête légendaire, je m'en fous. Débarrasser cette sorcière. Moi j'ai rien gros. Hein? Moi j'ai rien gros. Ah bah non plus, mais bon. Moi je drop, mais pas pour moi donc. Arrêtez de se plaindre, non? Je constate. Bah toi tu veux pas, Rob? Ouais, fais ça. Moi je suis trop habitué à ce qu'on dise que je me plaigne. Un réflexe d'autodéfense. T'es quoi? D'autodéfense. Tu sais ce qui est interdit en France? Mon père il ouvre la porte quand le Allahu Akbar de Yerson et referme la porte. Hein? Oui, parce qu'en fait mon clone maintenant il a la capacité, si je laisse charger le bouton pour l'appeler, il explose. Après avoir des vacances de stream déjà. C'est radicalisé, je veux. J'ai toujours été radical après un morceau. Elle est devenue. Regarde, c'est plus de J-Clone. À la Wokbar! Tu es le champion. J-Clone. Petit monstre. Tu es le champion. Dans ton espace virtuel, tu parais mon rêve. Prendre ce sniper et t'es détruit comme ça une balle dans ta tête. What? Ça fait que ça en dégâts. Et voilà, explosé. Et j'ai mon niveau. Explosion! Si, est un revolver Jacobs. Oh les mains pour de lapin! Ah, ils sont tellement bien les revolvers Jacobs. Oh, y'a un golem brutal! À moi! Y'a un Goliath brutal! Oh!
Tirez-le ! Tirez-lui dans la tête ! Y'a un autre Goliath. Comment je l'ai eu ? Dans la tête ! Laissez-le s'énerver ! Laissez-le s'énerver ! Éloignez-vous ! Il sera plus fort que les boss ! Oh mais c'est une blague, ouais, bon. On dirait les orques en V9, merde. C'est nul. Bouh, remboursé. Qui c'est les orques? Leguman. Si tu veux. Leguman. Tu es seul de ton corps, c'est ça la musique? Viol auditif. Ouais, ça. Ça c'est un sniper Jacobs, mon gars. Viol auditif. Pas vraiment, non. Pas du viol si c'est consentant. Hein. Ça, tu vois, c'est un fusil d'assaut Torg. C'est bien ça. Hein? Moi je veux. Ouais, ah non, je garde mon fusil d'assaut Torg. C'est bon. Petit monstre, tu es le champion. Dans ton espace tu vas pas être tellement vrai. Ah, j'ai horreur quand la musique se trompe. Tu es le champion. Approchez les mobiles. Boing 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 boing. Le domaine des cafards, l'un des meilleurs animés. L'un des meilleurs dessins animés. Bah, le Tom et Jerry maintenant, finalement. Ouais, il y a des coffres, Jacob. Ouais, mais il n'y a pas Jacob. Tu vois pas qu'on parle de choses plus importantes, au fait. Dans ton coffre Jacob, il n'y aura même pas de Jacob. Ah, si, il y a un Jacob. Si, il y en a. Mais il y en avait qu'un, franchement. Va sauter! Va être méchant, Yorsensei, on va sauter encore une fois. Allez, bâtard! À la voyure! Mais t'es vraiment chiant de faire ça, tu le sais, ça? Salope. Bah, j'ai cru que vous étiez dessus, en fait. Mais t'es trop de gueule ou quoi? Le truc de sur la map! Sur la map! À cause de toi, j'ai perdu 30 000 dollars! 30 000 dollars, mec! Est-ce que tu te achète des lunettes, ok? Merde, hein! Comment je vais les ramasser? Hein? Je suis endetté personnellement à hauteur de 2 millions d'euros. Il joue. Oh, ta gueule, Pécresse. Faites vos dons. Je t'offrirai un chèque de 0 euros. Mais c'est de la merde! Quelle flingue de merde! C'est même pas un flingue, c'est un porte-avions! Bah oui, mais moi j'ai pas le droit au bonheur! Bah non, il y a rien de désolé. Oh, c'est marrant ça. Quelle salope! Même en vous disant bonjour, cette bonne femme vous colle la chair de poule! Et sinon, vous pouvez me renvoyer l'ascenseur? Tu peux la payer normalement? Ascenseur! Ascenseur! Dans la salle à manger et nous évoquerons votre ça marche, Arki, c'est bon, ça marche! Ah! 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 Perds tes 30 000 balles! 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 Non! Il n'y a pas de justice. j'ai porté mes couilles, j'ai réussi. Un monde sans danger. J'ai vu mon argent défiler d'un coup. Vous vouliez me parler? Appelez-moi Clay. Le vieux Monty a reçu une offre généreuse pour la société Jacobs. La musique que j'aime bien mais que je suis incapable de chanter, c'est Foot Glory. Ça devrait vous intéresser de savoir qu'elle provenait d'une certaine... Partage amitié Foot Glory. Ça, je l'avais deviné tout seul. Alors, je veux bien que ce soit du foot, mais t'es pas obligé de faire la voix d'un débile. Ah, c'est la meilleure imitation d'un joueur de foot que je peux faire. Désolé, je suis... C'est pas faux. Ah, le bâtard. Ouais, moi je l'ai dit, les gars, je suis du côté basket de la France. Spécimen de toute beauté.
De toute beauté. De toute beauté. Non, t'es que je vais pas frapper la porte. Si toi tu veux, tu le peux, reste avec nous. Winx. Nanana. Il te tient bien la main. On n'est pas. Après, on n'a pas encore chanté le boss final des génériques qu'on connaît tous. Attends, un jour je serai le meilleur boxeur. Combattre sans répit. Ding ding ding. Je ferai tout pour être meilleur. Et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière. Vacances avec espoir. Les Pokémon ont l'air mystère. Le secret de leur pouvoir. Pokémon, Fratellet, c'est notre histoire. Nous ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre ami qui triomphera. Ah putain, il faut pas faire des portes plus grandes. Oh, ça va. Fais un régime. Et même un autre âge. Un voyage d'apprentissage. Ça ne demande du courage. Pokémon. Ce cadavre était dans un placard. Ah, licencié. Sacha arrive du Bourg Palais. Il est passé par la forêt de Jade, où il a eu une confrontation extrêmement intéressante. Crisacier, attaque armure. Crisacier, attaque armure. Enregistrer leur conversation. Essayez de voir s'il n'aurait pas enregistré sa propre mort. Chara. Fuck you. J'espère qu'on va devoir lancer là-dessus. Putain. On n'est pas sorti de l'auberge. Faut faire quoi? Chercher des indices. Ah merde. C'est pas un... On n'est pas sorti de l'auberge, les gars. Ah, oh, 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 ok. Ami des mots et malos, taquille, souviens ça, et elle transmettait ses enregistrements à ce coffre près de vous. Ah, c'est moi, ça. Là, c'est rouge. I will, you have, and you have to have. One piece. Bon, ça, je suis un peu moins fan, mais... Je connais quand même. D'ailleurs, il m'arrive que c'est l'arc final, donc... L'arc final, non, pas vraiment, c'est juste qu'effectivement, on... Oda a dit qu'il finirait son manga, genre... Ah, dans pas longtemps, pour l'année prochaine, fin du monde est proche, il a pu voir. On ne pas de quoi tu parles. Non, 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 la fin du monde s'approche quand Détective Conan s'arrêtera. Ah, ça. Non, mais il dit ça parce qu'il. On est sauvé. Il dit que je chante mal, mais. Moi, je pense qu'il faut que j'évite de trop bien chanter, sinon je vais pas striker parce que. YouTube va pas reconnaître l'original. Non, 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 mais ça va, t'auras aucun problème. Eh bien, quel bâtard. Va les bâtards hein. Oh là. Les gars, j'ai fait de la chorale. Hein. Ah bon. Eh bah... ça s'entend pas. Ouais, y'a un tic ça va, et... Quand je troll pas, ça va. Non, mais... C'est juste que la vérité, c'est que je serais incapable de vous chanter une bonne une chanson, parce que bah, je retiens pas les paroles. Rien à voir. Non mais c'est bien hein. Effectivement, c'est pas du tout ça. Je viens de perdre. J'ai rien fait en parole, j'ai dit nanani nanani. Je viens de perdre 80% de mon audition. Même pas l'air. Et je connais aucune musique chanson par cœur.
Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Je pense qu'en vrai, la meilleure musique que je connais par cœur, c'est Pokémon, quoi. C'est, c'est triste à dire. Ah, super. Sur la route vers la ville de Jadir. Sur la route, sur la route. On chante tous du proxy. Ah. Peut envoyer des soleils chez Jacobs. Sur la route de Jacobs. En parlant de proxy, il faudrait que je retrouve le générique d'Ergo Proxy, moi. D'Ergo Proxy. C'est un animé. Je vais mourir. Ah, derrière toi, Yerson. Derrière toi, enculé. Ah, dis que ça peur. T'as encore perdu 30 000 à cause de Yerson. Bah ouais, mais bon. Ça va se payer son pièce. Tu remarqueras que je l'ai pas relevé. Oh, bah. Dis-toi que la trésorerie est déjà en train de descendre. Bah comment ça, la sienne, j'espère, parce que bon. De tous les joueurs. J'ai voulu t'aider, mais bon, bah. Mais t'avais pas assez d'argent, Billy. J'ai trouvé un autre bouton. Comment ça tombe? Je vois, j'ai appuyé sur une. Dis donc, tu n'as pas été assez convaincant. Ah non, je peux appuyer sur le gros bouton rouge. Déjà, il y a Yorson que Romain Delos, c'est Nécron. Non, mais il les vendra jamais, c'est Nécron, bro. Parce qu'il les vend trop cher parce que là, ça a été vendu par un propriétaire, mais. Sérieux, il les vend trop cher, mais il est con. Bah, il arrivera jamais à les vendre. En fait, il les vend pas trop cher par rapport à ce que ça vaut, c'est vrai, mais en vrai. Je pense pas que des gens cherchent du propane. Bah non. Surtout que. Bah, si, il en a déjà vendu, ouais, mais pas en lot. Il a vendu une pièce ou deux qui était recherchée, c'est tout. Ou alors il me l'a pas dit, mais. Il faut pas le tuer, il faut juste l'énerver. Il a déjà plus sa tête. Laisse-le, Yorson. C'est bon. Ces Octane sont déjà partis. Oui, mais voilà, le Octane. Yorson, il attend pas que le Goliath soit enragé. Pas le reste de son armée, quand même. Qui en réalité n'est ni plus ni moins que la future achat de collection. Donc, Bah, c'est ça. Je trouverais. Justement, la seule chose qu'il n'y avait pas, c'était le Octane. Pourquoi est-ce que tu crois que c'est parti? Les gens, ils ont acheté le truc et puis. Ils avaient les mêmes figurines, donc du coup, bah. Ils ont pas pris celle-là, enfin ils ont pris le fan parce qu'elle était pas dedans à la base. Y'a un cabaret dans ce manoir. Ou alors j'ai mal compris, hein, mais de ce qu'il m'avait expliqué, c'était ça quoi. Bah il est où le. Clap-trap aussi. Le clap-trap. Le clap-trap il est ramassé. Parfait. Ah bah c'est bon. Oh, un gros coffre, Jacob. Il a vendu des guerriers alors, parce que les guerriers il en avait. On avait deux packs de 20 à la base. Ça va, il a pas vendu ce ménage. Si quelqu'un s'est fait sabrer de façon métaphorique, il sera sorti par la porte de la cave. Allez voir si vous trouvez quelque chose. Pour financer ses aides d'art, je pense. C'était pas plutôt ses sœurs de bataille? Non, sœurs de bataille, il les aide plus longtemps. Hein. Ouais, mais elles sont pas il assez. Il est en train de s'entraîner sur les Eldar, donc il a pas l'armée, donc j'imagine qu'il est en train de l'acheter. Tu veux voir un truc que ta bonne sirène connaissait pas? Ouais! Sans mon pouvoir dans la veine! Sink! Oui, encore un Goliath! Tu es l'élu! C'est l'élu! Il est l'élu! Tu es l'élu! Non! Oh! Billy! C'est Billy! Défends-toi, Billy! Et tu es mort, Billy! T'es mort! T'es naze, Billy! Aïe, qui me tourne le jeu? Ouais, je pensais qu'il avait pas trop de cheveux pour ses boutons. Eh, hey, mais c'est minable! Mais c'est de la merde! Eh, hey, mais c'est minable! Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ça va, Yorson, on te connaît.
savoir quels accessoires sortir. Putain, la paix. La cachette de musique débloquée, hein. Cette musique. La musique. Bah, il y avait une musique western. Ah, dans pas longtemps, je vais lancer les deux Red Dead là, je vais les refaire un stream. Alors, mon petit cowboy, est-ce que tu es prêt à me voir? Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans un univers où littéralement celui qui me fait chier se prend une balle dans la tête? Déjà que dans GTA. Comment dire? Comment t'expliquer que j'ai prouvé que je me faisais violenter par des femmes au volant? Le beau me mettre devant leur voiture en signe de protestation. Tu vas pouvoir abattre des féministes, c'est ça? Ah, c'est dans le 2, ça. Et les jeter au crocodile afin de me faire bannir. Oula, attention, il s'est attaqué une féministe dans un jeu. Bientôt, on sera taxé de racisme parce qu'on tuera des arabes dans le jeu de guerre. Mon père gardait des affiches de ses pièces préférées dans le théâtre. Pas déjà le cas. Une d'entre elles a peut-être un indice. Bah... Non, mais maintenant, c'est des pays fictifs, bizarrement, les modèles, enfin les Call of Duty, tout ça. Tu vois. Vous êtes passé par où, les gars? Par la porte. Avec quel? Bah, il y a une porte à droite. Ah, vous êtes en haut. Ouais, Jordan, si tu veux me casser mon énigme, peut-être. Tu te démerdes maintenant. Tu es l'élu. Tu es l'élu. Faudra que je demande aussi comment ça marche hein, pour l'équipe D3, hein, parce qu'il y a des mecs, ils ont dit ouais, je peux jouer or, je peux jouer tôt, je peux jouer machin, je peux jouer ceci, alors qu'ils ont pas des figurines. Comment ils font? Le fond doit pas être le bon. Parce que dans ce cas-là, moi je dis que je joue des gardes ultramarines, tu vois. Enfin, Drucari. Ou alors c'est une autre quête, ce qu'on est en train de faire. Enfin, je veux dire, voilà. Je peux même jouer tôt, hein, moi aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Eh les gars. Faire passer un message avec cette pièce. Alors je me suis dit, méfie-toi, Typhon. Tu t'entends bien avec Monty, mais un tigre qui sourit, ça reste un tigre. Oh, que je demande, hein. Si je me souviens bien, le genre David il a dit qu'il jouait or. L'arche et les ruines dans le décor. Il faut l'arche et les ruines. Je sais très bien qu'il a pas des figurines pour jouer dur dans le orc. C'est les ruines, l'arche, donc après il faut changer l'autre. Vous avez trouvé la trappe sur la scène. Mais ouais, bon. Au revoir. Dépêchez-vous. Allez, salut vous mon pote. Ok, qu'est-ce que je dois trouver? Je ne sais pas vraiment. C'est là que mon père gardait. Après, c'est pareil, hein, il y a des. Andy qui dit qu'il va jouer. Chaos Knight, je crois. Le codex il vient de sortir quoi. Oh. Bref, je sais pas, on est censé avoir une réunion dans pas longtemps, je leur demanderai mais les gars, où est-ce que vous faites la gueule du monde éventuellement ou... C'est bon, moi j'ai trois figurines tyrannides, je peux dire que je joue tyrannide, c'est comme ça marche. Jacobs, et je possède l'unique lignophonographe de toute la galaxie. Si mon père m'a laissé un message, ça ne peut être que ça. Rapportez-moi ça au chalet, chasseur de l'arche. Bon, ça va si c'est au chalet. Ok, compris, j'arrive tout de suite. Excepté au chalet. Ah, les gars, j'ai 20 écrans. C'est nul. J'ai 20 écrans, je peux jouer Nécron. Hein. Un artefact. C'est comme ça que je. C'est pour ça que je comprends pas trop là. Laissez-moi au moins vous expliquer. Vous ne représentez rien pour moi. Aussi vous ai-je vendu au Calypso. Mais n'en doutez pas. Laissez-moi vous expliquer. Parce que je suis riche et que les gens riches. Par contre, on est bien d'accord que si c'est la sœur de l'autre, c'est normal qu'ils se ressemblent pas à deux peaux. Oui. Fait la réflexion. C'est tout à fait normal et logique. Non, mais... On appelle ça le chara-design.
On appelle ça le progrès. Non, le Kara Design. Le progrès. Kara Design. Le progrès. Repeat after me. Kara. Kara. Pro. Non, non, c'est pas ça la blague, c'est nous. La blague c'est Kara. Kara. Di. Progrès. Progrès. Voilà, tu vois bien, bravo. Allez, même. Oh là là. Tu me dis un pompe, Jacques. Oh. Kara, j'ai un petit info de torgue. Qu'est-ce que Jacques tu veux qu'il y ait mieux? C'est un troublon. Mais il est nul comparé à mon ancien. Ça sera revendu. Ça me rappelle un truc que j'ai vu aujourd'hui. Genre une femme dans la vingtaine, quoi. Et elle a une fille de 3 ans, tu vois. Et, ah oui, qu'elle a abandonné sa gosse. Bah elle veut l'abandonner parce qu'elle ressent rien, quoi, tu vois. Tu vois, dans la première réflexion que j'ai eue, c'est bah il y a peut-être le père, tu vois, on sait jamais. Et j'ai vu la mer blanche, j'ai vu la couleur de peau de la petite, j'ai fait bon bah il est déjà parti acheter des clopes. C'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est cliché, mais. Ah ouais, mais c'est vrai. Tu sais que j'ai vu un truc comme ça passer. C'est cliché, mais c'est vrai. Bah là, c'était il y a pas longtemps. Je l'ai vu genre hier ou aujourd'hui, tu vois. C'est triste, tu vois. T'as une fille, enfin t'as un enfant. Et, genre, oh non, mais je ressens rien. Pour... Ah bah il fallait pas se faire sauter par le premier mec venu. Je veux dire, pauvre petite. Quoi. Oh là là. Mais non! Il faut dire que la femme s'est fait encenser par le progrès. Aurélia, cette salope. Ensemencée plutôt. Non mais j'ai envie de dire la pauvre petite. T'imagines? Elle. Mais, plus mais tard, non. Mais elle s'est littéralement fait abandonner quoi. Littéralement. Mais non, regarde, c'est la femme, elle est courageuse. Elle a pris la décision, elle savait qu'elle n'aurait pas su éduquer correctement son enfant. Donc, elle sera dans une famille qui l'aime pas. Ah, mais je te rassure, il y avait des gens déjà qui étaient en mode oui. Non, mais. Ce commentaire là que. On sait pas où il est le père ou je sais pas quoi, donc arrêtez de tout remettre sur le dos des femmes. Personne n'a fait ça. Enfin, c'est juste. La meuf, elle en parle. Elle est en mode ouais, je ressens rien. Et genre, elle veut le dire, elle veut se parler de son problème. Bon. C'est terrible. Tu vois. C'est terrible, mais peut-être vrai. Car moi, la première fois, j'étais un peu. Pas pareil, mais j'étais vraiment en mode bon. J'ai pas envie d'être parent maintenant. Tu vois. Enfin, c'est voilà, mais après je me suis dit ça va quand même arriver parce que voilà, Lady est tu vois. Et maintenant la chose était largement acceptée, mais là la meuf, tu vois, oh non, c'est genre c'est comme si c'était un smartphone, tu vois, genre oh non. Ah bah, c'est ça maintenant les enfants, t'as bien les enfants là qui sont les femmes qui font des gosses pour d'autres femmes. Hein. Une apporteuse. Ouais. Ça la limite. Mais bah non, c'est une denrée le truc. Hein. Oui, là, c'est marchander son corps, mais bon, une apporteuse ça résout des problèmes aussi, on va dire. Mais... Les gars, ah c'est bon. Non, moi, j'ai cru voir un légendaire. C'est surtout le délire que. Il y a un légendaire. Pour toi peut-être. Mais... Et que pour toi. C'est surtout le délire, tu vois, d'avoir une mère qui te dit littéralement non mais je ressens rien pour mon, enfant, du coup je veux l'abandonner parce que je vis pas ma vie quoi. Un bouclier légendaire. Moi j'ai un artefact légendaire. Chance d'enchaîner. Y a que moi que ça a triste apparemment. Les mecs sont en mode viens légendaire. Et moi je suis en mode mes pauvres petites.
Non, les Goliaths brutaux. Ah non, mais. Les Goliaths brutaux, très bien. J'ai une antenne. Je t'avoue, Deda, j'ai pas envie d'y penser parce qu'effectivement, c'est beaucoup trop triste. Et que, bah. Moi, je me dis quand. Oh, ok. Non, mais je me dis qu'en y pensant, je deviendrai comme Ken le survivant. J'absorberai la tristesse du monde et je débloquerai le Miyusu Tensei. Le véritable Miyusu Tensei. Non, mais c'est triste. Hein. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Le. Et Lady qui est là, quoi. En vrai, c'est. Tu sais, c'est quoi le plus triste? Ouais. C'est que, bah, en fait, ça devient quelque chose de banal. Ah bon, c'est la première fois que je vois ça, mais je me dis qu'en vrai, c'est pas parce que c'est la première fois que je le vois que c'est pas répandu, tu vois. Donc, ouais. Goliath, tu peux l'enrager. Brutal. Parce que elle est médiatisée, tu vois, mais. Sûrement que c'est le cas. Enfin, c'est... Super enfin, j'ai brutal. Je voulais le faire monter plus haut, moi. Pas sûr qu'on puisse. Pas sûr qu'on puisse, ouais, c'est super enragé brutal. Là, tu l'assumes, y'a pas à laisser. Mais surtout que. En fait, le pire, c'est que. Elle avait une ménopause artificielle ou je sais pas quoi, enfin, elle se protégeait, tu vois, donc techniquement, elle était vraiment pas censée tomber enceinte. Donc, tu peux pas non plus lui reprocher d'avoir fait n'importe quoi, tu vois. On en a gros, tu es Goliath. Vous finirez par vous en rendre compte. La famille, c'est exactement comme la guerre. Et c'est toujours la sœur qui gagne. Après, il y a toujours le délire de je dis que je ressens rien, et puis comme ça, je fais mon intéressante. On va peut-être m'aider, on va peut-être me donner des trucs, on va peut-être m'aider. Ouais, elle sort de champ. Hein. Il y a peut-être ça aussi. On est dans un monde où dès qu'on a un problème, on le médiatise. Hein, comme ça, ouais. Un petit combat ici. Me dire que ce n'est pas plus mal. Rapportez-moi cet écho. École. Qui veut battre École? École est mort. École est Hyde. Par contre, il a rien laissé. J'avais fait ça, mais c'était de la merde. Ouais, il a laissé un fond. Il a laissé les orques où ils sont. Là. Il a pas de problème, c'est la meilleure race de Warhammer. Les orques, ils s'en foutent. C'est juste qu'en ce moment, Game Workshop, ils les aiment pas, c'est tout. On m'a parlé d'une lointaine époque où il était craqué. En fait, tout ce que t'avais à pied là, tu l'avais, mais à moto. Non, c'est pas que son nom. C'est juste qu'en fait, dans les mecs qui font les codex, c'est pas de joueur. Mmh. Donc en fait, bah, le codex, il est pas. Alors qu'à côté, bon, les Eldar, ils sont très bien. Parce que le mec qui a fait le codex. Non! J'aime bien ma petite mitrailleuse là, que quand je tire dans un mec. Ça fait des éclats explosifs au cas de lui. C'est bien ce Frank Jacob où en fait ça lâche des mini-bombes. Marron. Pas du tout là où il faut aller. Les bandes de cons, c'est là-bas. Il y a des ennemis, monsieur. Oui, d'accord, mais bon. Zutsu, sort du menu. Léo, je fais ce que je veux, j'ai envie de vendre.
Moi je suis à côté de toute façon. Comme ce fils de pute d'Eldark, le codex c'est suisse. Bah ouais, c'est ça. Genre les Banshees quoi, les Banshees, moins cher que mes Puzzle Pigers. PA-4, donne un fight last, tu peux pas tirer dessus en contre-charge, moins 1 pour les toucher au corps à corps. Le sergent lui tout seul, 10 attaques. 105 points. Sauvegarde à 3, transguerrière. Oui, bah oui. Non mais c'est n'importe quoi. Moi je trouve que c'est encore pas assez. Ah ouais, non mais c'est... C'est le level 9. Alors voyons voir. Téléporter. Il bug en fait. Sacha va me chercher à boire. Non, c'est chargé. Tu vas mourir. Martyrisé. Lancez des grenades tout en tirant la mitrailleuse. Chasseur de l'arche, vous avez donc survécu à une conversation avec ma soeur. Gros toxique brutal. Le disque. Est-ce que je peux le voir, chasseur de l'arche? J'adore ce sniper. J'ai encore du mal à croire que les Calypso aient assassiné mon père. Je vais ressortir mon vieux phonographe. Mais vous savez comme moi qu'Aurélia va envoyer ses fanatiques à notre housse. Si on veut rester en vie assez longtemps pour ouvrir l'arche, il va nous falloir une armée. Une authentique résistance Jacobs. Il est temps de reprendre Eden 6, en commençant par la ville de Reliance. J'ai embauché un mercenaire appelé Clay pour nous aider. En fait, la zone est quand même vachement grande, hein, quand tu veux... Ouais. Il est sympa en plus, en vrai. Ouais, non, ça change, un peu marécageuse. Jungle... Privées de sa sœur. Ouais, Borderlands, ça a été beaucoup du désert, hein, pendant très longtemps. Je vais trouver où ranger ça. Par exemple, dans un four. Une sorte de gros engin qui brûle. Et dans Borderlands 2, quand on allait voir ce mec-là, justement, il était dans une planète. Ça se trouve, c'est cette planète-là et on la reconnaît pas. Hein. Mais. Quoi? On avait dû chasser les putains d'araignées géantes. Double saga. Pendant mon emprisonnement chez les descendants, j'ai rejoint un gang. Pour la protection, mais aussi la camaraderie. Des gens adorables, des combattants pour la liberté, oh non, des criminels sans pitié, parfois les deux. Si vous pouviez prendre de l'argent, je vous serais très reconnaissant. Ils sont à la prison. C'est tellement grand que... Ça va être compliqué. Oh, je suis bloqué. Ah, c'est... Faut aller voir Claire Alliance ou aller à l'enclus. Je crois qu'il faut que j'aille là-bas. Sur le pont. Après gauche ou droite? Droite pour l'enclus. Alors ça y est, t'as croisé la nouvelle membre de notre grande famille? Aurélia, quel cœur de glace. Elle a tenté de tuer son propre frère. Si vous entendez un masturbateur de micro, c'est rien, ça doit être un ventilateur, j'en ai vu. D'ailleurs, scène avec son ventilo. Il est chaud, il est chaud. Oh, mais je t'ai dit, mais le plus loin. Ah, il est déjà plus loin. Hein. Bah. Yorsen dans un véhicule. Ah, bah c'est marrant, lui, on dit qu'il est dans un véhicule, quoi. Avec une galaxie de fidèles qui hurle ton nom. Vas-y, fais. Il est dans un véhicule. Non, j'y suis plus, là. Oui, mais moi, oui. Mais moi, je suis né pour ça. Voilà, là, tu peux. Créature. On sait qui s'amuse là. Celle qui est pas avec nous. Non. Hein? Je n'entends pas la critique. La critique négative.
Ah, t'es féministe? Ouais. Oh, c'est tellement grave. Qui vous dit que je suis un homme? J'ai pas dit que t'étais un homme, j'ai dit que t'es féministe. C'est pas la même chose, quoi. Qui vous dit que je suis une femme? Pas parce que dans féministe, il y a une femme que ça concerne que les femmes. Des excuses, monsieur. Peut-être, mais quand on parle des hommes, on parle d'amis. Ah bon? Ah bah, il y a des féministes qui considèrent que les hommes ne peuvent pas être féministes, mais sont des alliés. Ouais, c'est bizarre. J'ai arrêté. Je ne trouve jamais cette merde. Dieu me protège et ne me fasse pas rencontrer ces gens. S'il vous plaît. Je vois. C'est un vrai film, c'est aucune différence entre les hommes et les femmes. Ça va, Troy, tu te sens bien? Dis-moi, messieurs, vous essayerez pas de remplacer le Bojack? En fait, je crois vraiment que c'est Far Cry qui a donné cette mode incroyable où le méchant te parle et te dit de la merde pendant tout le truc pour qu'il ait un semblant de charisme, tu sais. Qu'à quoi? Genre le mec il a ton numéro, tu vois, mais... Il a ton numéro mais il peut pas aller le chercher. Ouais, bah c'est un peu ce que... Conseille pas. Genre, il pourrait te traquer et tout, tu vois, mais ouais, non. Pardon. Oh oui. Attends, mais c'est un Jack. C'est un Jack. Aïe. C'est qui m'a tué? Une aïe. C'est qui me fait mal? C'est un Jacobs? Oh, j'ai un Jacobs légendaire. Oh oui, c'est un Jacobs légendaire. C'est un putain de revolver Magnum. Ceci est 357 Magnum. Francis. Ça, c'est pour faire des mondes meilleurs. Et c'est quoi cette arme? Ça, c'est une arme. Moi, j'en veux faire. Pour des mondes meilleurs. Oh putain. Quand on aura le temps, c'est bien. Dans où? Je vais tester mon petit Jacob aussi. Le Seigneur a donné à l'homme son meilleur ami, Smith et Weston. Mais il est silencieux en plus. Ah, moi il est pas silencieux du tout. Ça va de l'heure même. Enfin, en même temps, moi il est pas légendaire donc. Y'a un tic brut, y'a un tic. Aïe. Aïe, ah oui, j'ai vu, quand même. Ce Jacobs est trop bien! Et monsieur Flack? Ouais! Vas-y, transporte-moi! C'est quoi ce bombardement orbital là? C'est le monsieur là-bas qui m'a tué. Ouais. Merci, taxi! Et oui, il y a tout le loot. C'est 50 euros, mon dieu. Aouh! Je vais pas tarder à essayer de changer un infidèle. Ça m'a sorti bien sûr que je travaille volontaire. Attends, je snipe. Ah, les soleils vont pas assez loin. Alors ça, remboursé. Toi, ça m'énerve. Rembourse mon team. Oh, n'importe quoi. Attends, on peut plus s'amuser. C'est pas correct. Ne reste plus que Dean. Saints Row. Il y a un monde où je vais devoir refaire les Saints Row, quoi. Ouais. Ou tu te fais bannir de Twitch. Ils sont pas sur la chaîne. Il y a Watch Dogs que je suis censé faire dans pas longtemps, que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Le peu que j'ai joué, j'avais bien aimé. Bon, j'ai des phases d'être joué, mais je pense que c'est vrai qu'ils sont pas mal. C'est Pink Dog aussi, qui apparemment il est génial. Si, Pink Dog. Ouais, il a été donné. Ah oui, avec les. Oui, avec les Chinois, je crois. C'est.
Oui. Un peu plus en mode arts martiaux kung fu quoi du coup. Oui, tu joues un flic qui est infiltré, je sais plus. J'ai pas joué. C'est celui-là mon petit. Ah bon, donc je pense qu'il est bien vu qu'il a passé un nombre d'heures. Je suis assez impressionnant. Bah apparemment c'est des GTA like qui n'ont pas eu leur chance et qui ont été vite oubliés par rapport à GTA 5, mais qui en réalité sont tire leur épingle du jeu, tu vois, c'est pas juste un copier-coller, du coup ça a l'air d'être bien. Quoi. Et moi Watch Dogs 3 là où tu pouvais jouer une grand-mère et tout, ça me faisait marrer quoi. Ce qui m'a refroidi c'est quand ils ont fait leur truc là, le début tu pouvais choisir les mecs à mettre dans ta potentielle team. Et genre moi ils m'ont dit que j'avais pris des blancs et du coup c'est pas bien quoi. Sérieux? Ouais. Oui. Il y avait eu tout un débat il y avait eu tout une polémique dessus en plus. Enfin, ils ont dévoilé Watch Dogs Légion, je crois. Ils ont fait ça en fait. Ils te montraient des agents, ils te disaient d'en prendre 3 et ils te disaient vas-y, prends tes trucs quoi. Et moi j'ai pris. C'était pas bien, si t'avais pas. En fait, si t'avais pas que des femmes de. Qui n'étaient pas. Bah, dont certains non européennes, bah en fait, tu te faisais. En fait, si tu prends que des hommes, là, ils te le disent. Ils te disent, ouais, vous auriez pu prendre des femmes, quoi. Et si tu prends que des blancs, bah ils te le disent aussi, quoi. Ouais, mais ils t'en empêchent pas. Ils t'en empêchent pas de les prendre. Non, mais moi, ça m'avait ultra refroidi, mec, parce que dans ma tête, ouais, en vrai, j'ai vu ça, j'ai fait ok. C'est un jeu où les meilleurs personnages, parce que c'est des personnages générés aléatoirement, les meilleurs personnages seront forcément des stéréotypes. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai perçu la chose. Quoi. C'est genre, ils vont vouloir que tu joues des persos, voilà, donc du coup, bah ils vont. T'en es lu alpha. Comme c'est eux qui décident, entre guillemets, qui a quoi, bah. Wow. Ça m'a fait peur. Du coup, ça m'a un peu réduit. Et donc il est fort le Prométhéen de l'Alien. Ouais, je vois. Oh d'ailleurs dans la prochaine. Oh légendaire. Dans la prochaine campagne, il y aura. On en saura un peu plus. J'en ai un autre légendaire pistolet, mais pas un Jacobson. Que c'est ça ouais, j'ai un volo. Oh oh. C'est pas un Torg. C'est le seul problème. Je ne sais pas ce qui se passait quand tu prenais que des couleurs. Concrètement, t'avais un message. Disons que t'avais une bonne. Que ton équipe. Ouais, super. Non, voilà, exactement. En gros, si tu prenais des couleurs, ça allait. Que des noirs, par exemple, bah, on te disait rien. Ce qui est débile, parce que tu prends les persos qui selon toi, ont l'air cool. Et si moi, ce qui me fait bander et que je trouve cool, c'est des blancs chauves la Vin Diesel, bah c'est mon problème. Quoi. Oui, mais enfin... Même quoi, je vais pas rentrer dans ce débat maintenant. Par contre, Deda. Regarde ce flingue. Tu vois ce flingue? Oui, j'ai le même. Ah bon? C'est celui que Yorson disait c'était nul, alors que c'est un minigun. C'est un minigun qui dit. Le seul problème de ce gun, c'est que c'est pas un Torg. Bah, moi, comme j'ai munitions illimitées qui se rechargent limite plus vite parce que je dépense en munitions, bah. Oui, non, mais forcément. Bah, imagine, il serait Torg. Ah, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu que quelqu'un avait lancé le compteur en bon, vas-y. Non mais de toute façon c'est même pas qu'il y a un débat ou quoi que ce soit, tu vois, c'est juste que bah t'es dans un jeu vidéo, tu prends les persos que tu veux. Non en fait non y a un débat. En fait le débat c'est juste que les gens, en tout cas à l'époque c'était ça, ont considéré que beaucoup ne pouvaient pas faire la transition et ne voulaient même pas s'intéresser à ça. Et du coup il y avait beaucoup de gens. Beaucoup d'entreprises aussi, qui poussaient pour intéresser et dire que ça, ce modèle-là, c'est la bonne chose à faire.
Et c'est encore ce qui se passe encore, un peu aujourd'hui. Ça nous obligeait à jouer des persos... Pas nous obliger, mais nous... Ah, mais nous tirer... Ah bah tirer la couverture... Non, tirer la couverture. Tirer la couverture à ces persos-là, et faire en sorte que, bah, ouais, on a l'impression qu'ils soient meilleurs. Mais au final, c'est nul. Cas, hein, au final, hein. C'est-à-dire que moi, dans tous les jeux vidéo, films que je vois, il y a toujours une femme qui fait mieux que le héros, ou un truc comme ça, et toute seule, quoi. Enfin, oui. Ça a toujours été comme ça. Puis, de toute façon, moi, ça me concerne pas. À partir du moment où, dans mes films préférés, il y a Terminator et Alien, et je suis désolé, mais bon, Sarah Connor et Ellen Ripley, voilà, tu vois, enfin... Il y a eu Metroid avec Samus, enfin, ça ne me concerne pas, enfin, je vois pas en quoi les femmes... Mais putain, c'est parce que ça ne te concerne pas que ça te touche pas et que tu trouves ça bizarre. Ah oui, bah... Oui, sûrement. Et que du coup, ça me saoule parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un matraquage. Mais il y a un matraquage. Il y a un matraquage. En fait, c'est genre, j'étais trop hypé, tu vois, j'étais en mode, oh, cool, je vais jouer la grand-mère. Et elle était pas dans les persos, tu vois, la grand-mère que tu pouvais choisir. Mais moi j'aurais pris la grand-mère, tu vois. Et moi je suis sûr, parce qu'ils l'ont montré cette putain de grand-mère. Et en fait, je suis sûr ils l'ont pas mis dans les persos parce que la grand-mère, c'était une femme, tu vois. Et du coup ils se sont dit il y a trop de gens qui vont troller, qui vont prendre la grand-mère parce qu'ils ont, ils vont être hypés pour jouer une grand-mère. Et du coup, on pourra pas leur dire qu'ils ont pris que des hommes. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Moi, j'ai vraiment... Alors que la grand-mère, c'est... Tout le monde était hypé par ça, quoi. Tout le monde était en mode, putain, on peut jouer un vieux. Tu t'en connais beaucoup des jeux où tu joues des vieux? Non. Et c'est d'ailleurs très dommageable, je pense, parce que le... Bah, c'est cool. Bah, en fait, c'est con à dire, mais... dans notre société moderne, bah ouais, être vieux est un handicap. Non mais on s'en fout que c'est un handicap, être gay c'est un handicap aussi hein, dans notre société actuelle, oui. Hein, homophobie... Justement, ouais, sauf que chez nous ils finissent pas par-dessus un immeuble. Alors, chez nous il y a des trucs pas jolis. Hein. Ouais mais c'est pas nous qui le faisons. Comment ça, c'est des personnes de... Bah c'est des personnes... Non ça suffit. Bip bip, y'a mon alarme qui s'active. Désolé. Non mais je veux dire, avec une réflexion comme ça, enfin à partir du moment où tu sors un peu des standards, c'est un handicap. Non, vois, en fait ce que je voulais dire, surtout que ce qui est dommage, c'est qu'effectivement on est... Doucement est un... Doucement. Je suis pas là pour me battre. Je fais où de l'écuche. Oh. Je suis plutôt dans les services, moi. C'est qui ce mec? Il est trop bien. Il était dans le 2 aussi, il me semble. Par ici, chasseur de l'art. C'est bien de courir là-bas, mais ouais, on nous attend pas. C'est un peu chiant. Là-bas, un peu chiant, on a l'impression que tu joues le jeu. Ouais, c'est clair. Ah, disons que Zotsu, lui, il dit pas de la grosse merde sur des sujets de société qui, de toute façon, vont rester des problèmes pour ouais, mais des milliers d'années. On peut dire des grosses merdes et puis avancer. Et là, lui, c'est tunnel, attends d'où. Bah, moi, je le comprends. Si on finit le jeu, bah, je serai libéré de jouer le jeu avec vous. Merci. Tu peux en simuler parler. Non, mais encore une fois, pour revenir sur ça, moi, je serais plus hypé. De jouer dans un jeu, un vieux ou un mec obèse, un mec normal, un mec qui nous ressemble, tu vois, un mec qui a des faiblesses. Parce que faut pas croire, hein, Chris Redfield, ça va bien 5 minutes, hein. On attendrait que ça va bien 5 minutes aussi, tu vois. Les mecs, ils ont pas des... Enfin, on peut pas s'identifier à des mecs qui sont juste trop balèzes aussi, c'est... Bon, la sexualisation des femmes dans Mortal Kombat, nanani, nananer, enfin, à côté, il y a Johnny Cage avec des abdos, mon gars, le mec, il éternue. Ses abdos se contractent tellement que... Enfin, j'ai même pas de comparaison, quoi. T'as pas de chemise, le mec est torse nu. En fait, le problème, c'est que... C'est normal qu'on peut pas passer par la porte d'entrée. Je sais pas, faut lui demander à Zotsu, mais Zotsu, il dit pas. La porte, elle est de l'autre côté. Mais vous êtes passé par où, bande de... Par la porte, de l'autre côté. Même moi, j'ai trouvé l'entrée. Mais toi, Billy. Non. Il est lui. Oh, c'est putain. Du coup, moi, ce que je voulais dire, à la base, c'est
c'est que le fait d'être vieux, effectivement, est considéré comme un handicap, sauf que bah, les vieux, ils sont pas considérés, en fait. L'arsenal devrait être tout près d'ici. Et c'est un vrai problème, parce que bon, nos anciens, généralement, on les oublie. Bah, ils avaient qu'à pas voter Macron. Bah, non, mais voilà, surtout que les vieux ne sont pas un public cible pour les jeux vidéo. Oui, d'accord. Que reste dans le délire du jeu vidéo. Oui, d'accord, mais on pourrait quand même les mettre en avant, ne serait-ce que pour dire aux jeunes qu'ils existent, parce que bon, le problème avec les vieux, hein, mais bon, il y a certains qui font mine de pas être au courant, c'est qu'un jour on le sera tous, enfin, si on a de la chance. Les DDA ont capturé un maître armurier de la société, un certain Dalton. Prévenez-moi si vous le trouvez. Moi je me sens pas concerné. Un des meilleurs jeux que j'ai pu faire c'était Metal Gear Solid avec Snake en vieux. Oui. Avec Snake qui avait mal au dos quand tu le laissais trop accroupi. Putain, ça me rappelle le... T'as un film Et on a tous aimé jouer des cartes à Heroes of Storm. Je vais vous raconter une histoire. C'est génial. Oh, mais c'est une carte qui est bon, t'as été cheaté, mais... ce perso. Oui, mais c'est trop bien. C'est, oui. C'est trop bien. Voilà. Mais y a un film aussi qui est trop bien et qui met en scène des vieux, c'est Red. Red. C'est extrêmement dangereux. Ok, revenez à l'arsenal. C'est des vieux, c'est des retraités de la CIA. Qui bah en fait se font doubler concrètement par la CIA puis bah, ils disent bon bah d'accord attends ok deux secondes on va te montrer gamin. Et c'est extrêmement fun. Après moi je suis vite fait pas d'accord quand tu dis ils sont pas mis en avant parce que dans toutes les séries, dans tous les films, t'as le vieux maître, t'as toujours la sagesse, tu vois. C'est tout le temps une personne qui est plus expérimentée, plus âgée. Mais c'est jamais pas le perso principal. Ah c'est pas c'est le mec qui. Bah, le problème, c'est le gars qui est là pour donner des réponses, c'est bien, mais enfin... On en revient au délire qu'il faut que, apparemment, de nos jours, tout le monde doit pouvoir s'identifier au personnage principal, et donc du coup... C'est pour ça que tous les personnages sont les vieux, effectivement, il y en a pas. C'est dans les histoires, généralement, c'est perso tertiaire, en fait. Surveillez mes arrières. Bah, c'est normal. T'as pas tort, effectivement. Là, sur ce sujet-là... Alors, pourquoi c'est normal, Yersen? Tout simplement, c'est des persos qui sont censés laisser la main aux plus jeunes, tout simplement. C'est le vieux maître qui passe la main, tout simplement. L'ancienne génération qui a permis à la nouvelle de progresser. Après, si tu veux, des films... comment dire... mais ça en avant... Tu regardes un bon Clint Eastwood, les derniers films là, t'inquiète, franchement, stylé. Faudrait que je regarde. Million Dollar Baby, Gran Torino, tout ça là. Waouh. Faudrait que je regarde, mais c'est vrai, mais Clint Eastwood en même temps, c'est quelqu'un qui fait des bons films, donc il met des vieux en avant. Tu sais, depuis qu'il fait ses propres films et qu'il est âgé, Pépère, tu pourrais croire que, mais putain, il sort de plein de films. C'est vrai qu'Expandable maintenant, quand tu regardes Schwarzenegger, Rocky, quand tu regardes Schwarzenegger et Stallone, bon bah c'est des vieux maintenant. Au final maintenant, quand tu vois un Bruce Willis, même un Statham, ou un Vin Diesel, bon, t'es en droit de te dire, c'est des vieux maintenant. Ouais, hein. Ne t'en épargne pas mieux. Famille est à la hauteur. Loin de moi l'idée d'employer les mots incompétence crasse. Dans One Piece, c'est des vieux. Dans One Piece, c'est des vieux, mais tu fais pas chier les vieux de One Piece parce que sinon, bah, c'est les vieux pirates de Roger, donc. Les vieux pirates, le mot des pirates. Ok, d'accord. Dans la plupart des mangas, on va dire, les vieux, ils ont quand même un énorme avantage. Ils ont la sagesse et tout. Et en plus, ils ont quand même la force parce qu'ils ont toujours un pouvoir du cul, tu vois. C'est vrai. Putain, il y avait. C'est vrai que t'as un manga qui met en scène un cul. Je sais plus, un mochi mortel, machin. Il s'appelle Torbjörn Jungel.
Ouais, non. Non, 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 c'était un film. Non, c'était un anime. Qui, pour le coup, très bien, mais je me souviens plus son nom. C'est le seul problème. En plus, il est assez connu, il a assez été publié par la critique. Donc, On compte sur vous. Je pense pas qu'on aime les petits jeux. Bah, disons, en fait, tu vois, le truc surtout, c'est que bah. On nous matraque pas pour ça, tu vois, avec les petits jeux. Et du coup, bah, limite, on est plus hypé pour jouer ça que jouer autre chose. Quoi. C'est très con, hein. Pas très. Si vous arrêtez de nous matraquer avec. Bah, tout ce qui est le LGBT+, au final. Enfin, LGBTQ+. Ouais, la lettre de l'alphabet, hein, on va pas se mentir, hein, parce qu'ils sont en train de se battre entre eux pour en rajouter. Donc, Oui, on laisse après. À vous l'honneur, chasseur. Il y en a qui, au contraire, se battent pour essayer d'en retirer. Parce qu'à partir d'une certaine lettre, apparemment, il faut les enlever parce qu'ils posent problème. Non, mais c'est... Non mais je m'intéresse pas à ça, j'en prends juste. Je sais juste que à un moment présentez-nous des gens qui. Enfin des personnages qui sont sympas et qui sont travaillés. Perdons pas espoir en l'humanité, tu vois. Mais Apollon et des gens qui... Parce que là, t'avais quoi? T'avais la Warner qui était en mode oui, c'est n'importe quoi. Le film Superman reboot avec le Superman noir, il est toujours pas prêt, n'importe quoi. Enfin, délire dans le genre. Et c'était sur Facebook. Et je vois des noirs qui répondent en mode mais pourquoi vous avez fait ça, tu vois? Niquez-vous en fait, enfin. Pourquoi vous voulez faire un Superman noir? Eh ben, pour que vous puissiez vous sauter. Mais on en a pas besoin, niquez-vous en fait. Ouais. Je crois que les. Surtout, ils commencent à se rendre compte que bah, les noirs, ils ont rien à branler, hein, un peu. Je veux dire, déjà les mecs, ils. Ouvertement, ils soutiennent le gars qui a refusé de jouer pour. Avec un maillot. Pour. Les fiertés, là, ou je sais pas quoi. Les gars, ils ont dit, c'est un homophobe. Mais t'avais quasiment toute l'Afrique qui était derrière lui en mode non, c'est bien et tout, faut lutter contre ça. Bon, tu vois, voilà, hein, c'est pas la même culture. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir les amadouer avec un Superman. Comme si le film Black Panther il écrasait pas de base tous les films Superman. Non. Ouais, mais c'est un Marvel, donc bon. Gadeda le gâteau. Oula, je ne dirais pas ce nom j'ai le droit, moi j'ai la moitié de ma famille maintenant en Afrique. J'ai le droit. Paul est où, monsieur? Dans ton cul. D'accord. C'est pas là, faut aller là. Moi je suis à côté mais. Ah d'accord, ok, j'ai compris. On parle de Miss Marvel. Non, non mais, les mecs, vous regardez She-Hulk. Hulk, quand il s'énerve, tu sais, il a à poil, tu vois, et She-Hulk, non. Ah non, mais She-Hulk, elle est civilisée. Parce que c'est une femme. Tu sais, l'excuse c'est oui, mais en fait, les radiations n'impactent pas tout le monde pareil. Bienvenue dans la tourbière. Oui, bien sûr, c'est parce qu'il faut quand même qu'elle soit sexy, les gars, c'est tout. Elle est verte, c'est géant vert, on a envie de se taper un bon duel, c'est bon, on a compris. Et se rendre compte qu'NF6 est un poil incarné sur le cul de la vie. Petite anecdote, le cul de la vie est un cocktail maison concert au bar. Du jus de baie Vico, du vin tombé et cul sec. On sort à bien bouchonner. Quoi? Comment ça, le cul de la vie? Ok, d'accord. J'en veux deux. Spécialité d'Utopia. Non. On va se calmer. Le cocktail spécial d'Utopia. Qui est censé être soi-disant. Une future ville avec des bons nuls, hein,
fait, c'est ce qui est marqué ouais. Dans un endroit quelque part. Là. Studio 5 a dit ça. Ça l'affiche Studio 5. En même temps, Arcar, techniquement, a des connaissances pour faire du bon vin, vu qu'il vient d'un ancien village qui faisait du bon vin. L'un des jacassos qui ont flingué le générateur. Non. Va le tuer, il veut bien. Le village qui d'ailleurs a été bah, détruit par. Enfin, qui a disparu parce que bah, la porte. Au final, c'est toi qui l'as ouverte ta porte. La gueule. On dit pas les pauvres à la porte. On dit pas ouvrir la porte. Nanana. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai mis que le village avait disparu avec cause de la porte. Hein. Non, c'est Arcar. Bah, c'est Arcar qui a dit que. Sûrement des gens de son village ont disparu avec la porte. T'as vu ? J'ai cru comprendre que tu pensais que tout le village avait disparu. Non, des disparitions, la porte, tout ça. Arcar est le premier à nous dire. Faut pas l'ouvrir. Bah, résultat, c'est toi qui l'as ouvert, ça. On va pouvoir allumer le bar. Actionne les disjoncteurs. Cosar qui fait. Voilà, fait ce que je dis parce que je fais. C'est... Je déteste ça. Je déteste ça. Je devrais peut-être préciser que j'ai construit mon bar sur un site d'un couple. Oh, qu'est-ce que. Oh ! Pourquoi il y a mon singe en plus gros là ? C'est à moi, toi. Mon singe, c'est un jacassos. Oui, bah voilà, il y avait un jacassos brutal. Alors, le talon du cul te dit bonjour. Merci. Ce bar, c'est tout ce qui reste aux habitants d'Eden 6. Les descendants ont détruit tout c'est le reste. C'est quoi ce lance-roquette ? Bon, après, on n'avait pas vraiment d'école, d'hôpitaux non plus, mais... Quand on y pense, un barman, c'est un peu comme un... Ouais, il lance plein de roquettes, quoi. On n'avait pas vraiment de barman... Enfin, on n'avait pas vraiment d'hôpital, on n'avait pas vraiment de... d'école, mais bon, c'est le Far West ici. Je vais te préparer 2-3 cocktails maison. Oh, c'est pété! Mais là, je peux toujours pas chevaucher l'homme chien. Tu fais ce que tu veux, parce que c'est tout le jeu. Artemis! Il y a même un quota LGBT dans le jeu. Ouais. C'est vrai qu'il y a les deux elfes. Ouais, c'est deux elfes qui sont ensemble. Alors, techniquement, elles sont pas ensemble. En fait, quand vous êtes pas intéressé au perso, ce sera peut-être pas développé, mais là. Mais techniquement, elles ont un enfant qui les considère comme ses parents, quoi. Alors que techniquement, ils sont même pas de la même race. Donc, c'est pas du tout une famille. Ni recomposée. C'est une famille recomposée, quoi. De toute façon, ils seront vus, elles seront vues plus tard pour s'il est en survie à la bataille finale. On va dire que peut-être que il y avait éventuellement une possibilité d'avoir un arc avec eux et que bah peut-être que voilà. On aurait pu se taper les deux. Quoi ? Ça, c'est un fantasme masculin, mon pote. Je t'avoue que j'ai déjà mon S-Bando. Voilà, c'est bon. J'ai pas besoin de plus. Ouais, c'est vrai, toi, t'es limité en temps, c'est vrai. Enfoiré. Mais Oh, faut aller là-bas. Vas-y, allez, la avec ton véhicule là. Vas-y avec ton véhicule. Prends ton véhicule. Prends ton véhicule, sale con. Merci, Tanar. Ah. Failli être poli et t'as pas été sauvé. Le rapace essaie de sauver l'armurier que t'as chopé. Bah alors les gars, on est lent. La téléportation ou je sais pas quoi. Bah disons que comme t'as détruit le véhicule comme un connard. J'ai pas du tout le véhicule. Ouais, super. Allez, grouille-toi. Ouais, j'ai rien fait du tout, j'étais même vachement dans le goût. J'ai juste attendu qu'un esclave aille... Oui, c'est ce que je viens de faire. Mais... Ouais, d'accord, niquez-vous aussi. Par contre, c'est qui le connard qui vient de détruire le véhicule sur lequel je me TP? Ah, c'est peut-être moi qui suis monté dessus. Bon, on va devoir trouver un autre chemin. Explorer un peu. Merci. Ça vous aidera peut-être de prendre. Et talons du cul, t'as dit. Le rapace est toujours en vie. J'aurais dû me faire un peu plus d'élus dans la famille.
Ça, c'est du pouvoir. Mais pourquoi je t'ai gardé en vie toutes ces années, déjà? Non, allez, fais pas la gueule! On s'amuse, pas vrai? Et voilà, elle s'en va. Allez, femme. On est assez insupportable, ce type. C'est même pas un bon méchant. Ils se ressemblent tous, les méchants. Ils sont en mode fun, 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 et attention, c'est pour ça qu'ils sont dangereux, parce qu'ils s'amusent. Et cette grue là-haut, ouais, enfin, tout le monde ne peut pas le joker. Ouais, bien vu, ça devrait faire l'affaire. Malheureusement, ce sera pas simple de l'atteindre. Vous allez devoir... Allez, chanter! Et sa grouille de DDA. Je vais m'arranger pour que la porte soit ouverte. Ouais, la tour de gay. Oh putain, même là, il nous casse les couilles, quoi, merde. Allez à la Siri, bienvenue la Siri. Je peux donner la pierre à mon cheval pour lui faire pousser une carte sur le fond. Bah tu peux essayer. On va te regarder bizarre. Je te jure, mais tu peux essayer. Le pire, c'est que ça peut marcher. Le pire, c'est qu'il y a des cons parmi les joueurs qui seraient les premiers à te laisser faire pour voir ce que ça fait quoi. Moi pas. Donc, Sachant qu'il y a une table de mutation. Hein. Quoi? Bah oui, dans le livre. C'est l'avantage d'avoir des règles officielles, tu vois. C'est que... J'ai plus l'habitude. Le livre. Bon, on a joué un an sans règles officielles. Bon, hein. Alors, pas pour vous. Et je crois que j'en suis encore un mauvais endroit. Quoi? Je crois que vous êtes ouais je... Mais pourquoi il y a une... La carte elle m'énerve. Trop de verticalité. Tu peux te... Vous pouvez vous TP sur mon véhicule. Ouais bah j'arrive. Oh là. Moi j'y suis. Mais ça m'a pas téléporté. Ah. Mais... Bizarre. C'est con. J'ai vu le tunnel. J'ai vu la lumière blanche au bout du tunnel. Ah. Heureusement que je joue avec des gens. Hein. Attends. Traverse pas la porte, tu attends. Pas bouger. J'ai dit pas bouger. Allez, on y va. Trouvez-vous un chemin et trouvez un moyen d'atteindre ces grues. Il doit y avoir un quai de chargement quelque part dans le coin. Jacobs quoi. Mmh. Ouais, je crois que je vais garder ce flingue parce que. Parce qu'on a voir un. Bon, à la fin du jeu. Jusqu'à avoir un Jacobs, mais. Ouh, la bête est prévue. Putain, on est qu'à 9 minutes. Ah, dis-moi. Tu un million de PV, gérable. Grande de façon. Un million le litre. Donc on en peut pas se manger. La vraie, c'est le problème. Laisse-toi prendre par la chasse. Laisse-toi prendre par la chasse. Ah, ouais, franchement, je peux faire le spike. Le chien, il était plus simple. Il était plus gros. Si vous rêviez un jour d'essayer un moyen de transport inhabituel et incroyablement dangereux... Ouais, mais je pense que je vais reprendre l'alien. Il m'a... Vous allez devoir chevaucher les rails, grimper sur un de ces machins et foncer jusqu'à la forteresse du soleil. L'alien? Bah, c'est selon le thriller du personnage. Il y en a un qui s'est rattrapé, il y en a un qui est un chien, quoi. Et t'as l'alien qui est là pour tuer. En vrai, non, l'alien n'est pas spécialement là pour tuer, c'est ça qui est dommage. En vrai, j'avais l'impression que c'était moins mal que le chien. Pas à destination de Paris, arrive en gare Bois A. Avec 40 minutes de retard.
Non. Au revoir, mesdames. Au revoir, les couillons. Mais faut pas que ça vous empêche de passer. Faut excuser Taille, elle est pas habituée à partager la scène. Faut dire que quand on était gamin, nos parents la quittaient jamais des yeux. Ils ont vraiment loupé. Bah oui, oui, je m'attendais à ce qu'il s'arrête, le train. Bah non, mais en fait, moi j'ai sauté dessus et puis bah le train il a juste pas voulu me prendre. Mais après ça, notre père a décidé qu'on devait rester avec lui. Et pour moi, ça c'est pas un train. Il l'a jamais avoué, mais il voyait Tyrine comme une dégénérée. En plus, c'est chiant, on peut pas pousser ses collègues. J'étais qu'un monstre à côté. Mais on l'a abandonné et on s'en bat les couilles sur lui. Ce que le vieux a jamais compris, c'est que de nos jours, un monstre avec un EcoStream peut devenir une star. Oh là là, je suis tourmenté. Le machin, nanana. Je suis un personnage générique numéro 40. Quand t'as dit les veines avec un tas de crayons. Préparez-vous à devoir en écoutant du rampage. Par contre, pourquoi jouer Yersen et Zotsu? Voler dans le vide. Faut sauter. Bonne chance, chasseur de l'arche. Bah, parce que voler dans l'eau, c'est compliqué quoi. Déjà. Ouais, mais pour voler dans l'air déjà. Mieux. On va se calmer là. Bah le vide c'est l'air, non? Ah non, le vide c'est l'air. Créature. Ah ça c'est le mire. Bah non, le mire c'est le mire. D'ailleurs, c'est la même chose. Oh, bon bah... Bon bah shérif, hein, en avant. Bandai! Quoi, team de tourneur, hein, tiens ta gueule. Je commence à recharger. Non, j'ai arrêté ce mode. Il me fait chier ce mode. En général, quand je dois recharger, je jette l'arme. Ça bouge. J'en prends. Même les vieux pirates. Je cite un pistolet à un coup. Donc tu regardes brutal, je suis mort. Ah, putain, j'avoue qu'on a une once qui est complètement abusée. Je vais faire de toi ma marionnette, partenaire de toi. Il veut mettre sa main dans mon cul. Apparemment un fireman. Il veut que je sois sa marionnette. Je le connais lui, c'est le rocaille du coup de M. Attends, les gens d'art, c'est bien marré, rapace. C'est quoi cette merde? Monsieur, vous êtes un Jacob? Jacob. Attention, chasseur de l'arche. Ne regardez pas, c'est un de ces tarés. Recule, rapace. Plutôt que te laisser repartir avec cette armurier. C'était un beau massacre. Faut parfois prendre des vies pour en sauver. C'est fini? C'est un peu cynique, je sais. Mais ça reste pas une arme où tu jettes, change d'arme et tu viens de mettre. Il y a une arme où quand tu la jettes, elle explose. Il y a des armes où quand tu les jettes, ça devient des tourelles. Voilà, c'est notre armurier. Il y a même des armes qui tirent des armes. Allez voir s'il va bien. Merci beaucoup. Libérez les Dalton. Ah, Dalton, oh, c'est pas vrai. Des armes. C'était hors de question que je donne de l'équipement. Est-ce qu'il pue la merde des films? Les armes de Jacobs, c'est pour les hommes de Jacobs. Lesquels? Ceux de. Mon arsenal personnel. Allez. En vrai, l'animation de Lucky Luke, ça va. Ah, les films animés, oui, d'accord. Moi, je te parle des films. Ah, oui, non, les films sont. Je me débrouillerai pour rentrer. Ils savent pas, en fait. On se voit là-bas, bon, en même temps, ils ont été faits pour de la comédie. Bah, donc... c'est du comique français. On en revient à ce que je dis. Je suis content ah, quoi. Alors que bon, Lucky Luke. Pas spécialement comique en fait. C'est genre ils ont fait ouais ils ont fait un comique enfin ils ont fait du comique Jean Dujardin et ils ont réutilisé Lucky Luke. Genre ils se lavent pas, il a des ongles de doigts de pied dégueulasse. C'est pour justifier les trucs. C'est trop beau gosse pour marcher, passe chez Autolac. Ça correspond bien aux Américains quoi. C'est juste pour te détendre, on va faire un Lucky Luke, quoi. C'est pas une figure héroïque. Ah, clairement. Comment c'est impossible d'activer le point d'intérêt? Parce que ça n'a aucun intérêt. Oh là là. Le film des Dalton, il a 2-3 de blagues drôles, mais. Si vous voulez, il y a un véhicule pour ce. Oh, sa mère la pute, je déteste cette zone. Mais c'est la jungle.
trop grande. Enfin, en gros, je me contente de suivre le marqueur en disant de la merde, et ça, il faudrait que je réfléchisse, quoi. C'est... That's the problem. Nul là pour réfléchir. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde ? T'as vu une ici pour truc ça traîne pas. Ouh. Oh, un lège. C'est un Jacob. Et il a une tenue léopard. Il est dégueulasse. Il est bien, mais il fait pas de dégâts de... élémentaire, donc il me sert à rien. C'est con, hein. Et maintenant la résistance. Faut que je vous dise. Rex sera revendu. J'ai bien parcouru cette galaxie. J'ai vu des horreurs que vous imaginez même pas. Mais ces jumeaux Calypso. Un vrai arbre, il se serait cassé en deux devant notre prestance et ma puissance de moteur. Pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre qu'il faut les arrêter. J'en ai eu deux. La carrure pour ça. Salut l'archiste. L'archiste. Ah le bâtard, je t'aime bien. Je cracherai pas sur un petit coup de main. Ou le nombre de questions. On dirait que ces crétins des co-casters ont des petits différents familiaux. Ils divisent leurs fidèles en équipes et ils les font se tuer pour le spectacle. Et si les deux camps perdent, c'est nous qui gagnons. Tenez, écoutez ça et rendez-vous au camp Tyrine. Mais il fait pas... Il est pas plus son nom. Je vous donnerai du temps en plus et cadeau. Wouh. Il vaut la tête d'Esperados. Tu me parles, gamin, tu me parles. J'ai boxé mon petit frère Brad, boxé un Jacassos, boxé un arbre, est-ce que tu veux? Mais aujourd'hui, je me sens super extrême. J'ai envie de me faire un reptile, ma gueule. Nous sommes dans l'extrême. Allez, moi j'aime pas ces gens, toujours en extrême. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi je dis que le problème des extrêmes, c'est que selon les personnes, l'extrême il change. Selon. Moi ce que j'ai. Un jacassos. Le problème des extrêmes, c'est qu'en fonction de la droite et à gauche, c'est pas la même chose. Putain, j'ai remonté un niveau. Ah non. Faut faire quoi? Ne pisse pas dessus. Il faut livrer des burgers. Oh nique. Comment ça, faut livrer des burgers? Mais tu m'as pris pour Robert ou quoi? Bon, vous faites la mission, je vais me chercher un verre de coca. Hein. Tu sais que les gros sauriens bouffent les petits grogs comme si c'était du popcorn? Alors je vais m'enduire de leur vie. Quand même, j'ai des principes. Hein. Chasse aux grog, c'est parti! Déjà, je travaille pas dans la vraie vie, mais pas trop bien, pas trop bien dans un jeu non plus. C'est blessant. Un peu. Wow. J'ai cassé le jeu. Ça va être compliqué de livrer avec 9 minutes restantes. Hein. Non, tiens, tu verras. Allez, allez, accélère. Gênant. Oh. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Mais. Pourquoi il s'est marré, le monsieur? Oh, toi, viens là. Appuie sur le champignon! Au secours, qu'est-ce que c'est que ce type? Ah,
Bon bah ça fera 50 euros hein, monsieur. Pas fait en 9 minutes. Ça fera 50 euros monsieur. Quel scandale. Ah bah vous pouvez vous rendre monsieur, mais ça fait toujours 50 euros. Je veux voir leur sang impur à... Si jamais tu repasses dans le coin et que t'as besoin de boulot, adresse-toi à mon enseigne. Les gens des marais raffolent de mes burgers. Oui. Ah, ça à mon avis c'est une quête que tu peux faire plein de fois. À l'infini. Ouais, je suis trop tard. C'est une mission répétable. Bien sûr. Fais pas ça. Parlez à Murloc. Oh putain, mais il habite à l'autre bout de la ville ce connard. Non mais tu les grog là. Merde, je me suis téléporté en voulant naviguer dans la map. Il habiterait pas ici ce con. Non c'est chez Jacob ici. Il est où Hammerlock? Putain. Bah t'as là. Y'a Corentin qui est passé pour dire que c'était malaisant ce que tu avais fait. Pardon. Y'a Corentin, il m'est passé pour dire que c'était malaisant. Enfin, on parle pas. Il a osé passer sur le chat vocal. Ouais. Alors qu'on est en stream. Ouais. Il a même pas fait de don ce connard. Quel connard, salaud. Salaud. T'as intérêt à avoir un job et à devenir un joueur rentable. Pas comme Yersen, la déception. Et ils sont les crocs. C'est le croc. Et après tu te plains, hein, c'est ça le pire. Yersen qui va me dire, bon, je vais faire un troisième doctorat là. C'est qui a repris la mission des burgers? C'est Yersen. J'ai glissé, chef. Le problème de Yersen, c'est qu'il a la glissade facile. J'ai vu de l'argent passer, je me suis dit, oh. Ah, je pense que ça l'a perturbé ce que j'ai trop dit. De blagues à... Trop de blagues malsaines. Non mais je le comprends. Il est perturbé cet enfant maintenant. Rigole mon petit ours. Du coup, mission a bugué. Une petite tap tap. Ouais, t'as fait bugger la mission par contre. Ouais, j'avoue. Salaud. Sport extrême. Ouais. Okay. Faut prendre une serre, ça a bugué, on est obligé de relancer le jeu. Ah bon, on fait une autre mission, c'est une mission secondaire, on peut la refaire. Si on faisait la mission principale, hein? Non. Moi je crois que... Oh, non. Il faut aller où? T'as eu ta réponse? Non. Pas sûr en fait. Au faire si t'es champion. Ouais, Hammerlock. Ouais. Et MeToo Hammerlock. Au faire. Comment ça me casser les couilles le petit connard là qui est en train de mettre la petite sur en famille là. Bon enculé. Yersen. Quoi? T'arrêtes? Bah c'est pas moi. C'est qui met la petite tueur en famille? Bah je sais pas. Oh, la petite tuerie entre amis. Quoi il parle? C'est la mission secondaire. Ah, j'essaie de mettre la quête principale et puis il y a quelqu'un qui s'amuse à changer la quête. Ces autres. Troy, non. T'as payé pour avoir l'aide du rapace? Oh, ça c'est moche frérot. Je joue plus. Oh, on s'en fout. Quoi? Mais non, trop pas. Mais bon, je crois que ton équipe est foutue. Vous voulez faire le 100% du jeu, faire tous les secondaires là, c'est ça que vous voulez? On veut les armes! La plupart des armes qu'on loot par terre sont meilleures que les armes de mission. Par contre, les mecs, ce serait bien quand même de nous. Enfin, si vous faites un truc, laissez-nous venir jouer en fait. Oh. Ouais, c'est bon. On avait vécu. De quoi? J'ai pas bien entendu, Yersen.
pouvez vous TP? Non! On peut pas, justement, c'est ça un peu le problème. Si on pouvait, vous pouvez pas, vous pouvez pas vous TP au véhicule? Non, pas tout le temps, tu vois, parce que Borderlands, il y a quand même quelques bugs. Ah, moi je sais pas, je me suis jamais TP, j'ai utilisé mes petites jambes, donc c'est pour ça que je demande. Bah oui, je t'ai répondu. Je te dis. Mais fermez-la et tuez les mobs. Ah non, on ouvre et on tue les mobs. Besoin de me plaindre. T'es pas obligé, hein. Je crois pas qu'on a déjà utilisé le quota plaidoirie là. Ah, t'as utilisé peut-être le tien, mais pas moi. Ah non, j'ai pas utilisé le mien. Ah bah non, c'est comme... Ah, vous voulez que je me plaigne? Vous voulez que je vous raconte tous les problèmes de cette semaine? Non, mais c'est pas important. Le petit détour va nous prendre 10 000 euros. Millions. Il faut le suivre, quoi, je pense. Ah, faut escorter l'explosif. Pour la faire bouger. Il a été pris le chatrap ou pas? Oui. Ben, il est à son fusil dans le char. Bah, j'avoue, c'est un fusil sniper. J'ai cet explosif. Oh oh, Troy! On dirait bien que le rapace en a aussi après ton équipe. Elle va se faire exploser. Mais bien, mon camo léopard. J'ai confiance en la team Troy. Je suis avec toi, rapace, juste pour cette fois. C'est coincé. Délogez-moi ça en tirant dessus. Ah, c'est un vrai réglage de problème, tu vois. Ton équipe va se faire cramer les poils du fion. Oh, merde! Bougez-vous, la team Troy! Flinguez-moi ce rapace ou je vous ferai jeter au grog un bout après l'autre! Faites repartir la bombe avec une balle bien placée. Ta gueule, mais... Ces chouineurs sont complètement égocentriques. Faudrait qu'ils arrêtent de se regarder dans le miroir. C'est ça qui fait d'eux des monstres. Moi, je me suis jamais regardé une seule fois dans le miroir. Et je vais bien. Je suis nickel. Oh, mais ta gueule. C'est le personnage le moins détestable qu'on a pour le moment. Oh, c'était pas... Ouais, mais... J'ai pas dit que c'était dur, j'ai dit que c'était moins détestable. Arrêtez d'essayer de m'écraser. Mais je suis l'ennemi, moi. Je suis pas un hérisson sur le coin de l'autoroute, moi. Arrêtez le rapace. Ah bon? Faut arrêter le rapace, mais c'est qui le rapace? Vraiment, je suis nul. Par ici, la vie. Pardon. Ah, oh, mais c'est chiant. Pourquoi vous avez mis un truc sur lequel on peut pas sauter? Maintenant, nettoyez le camp et balancez la bombe. Je peux pas plus. Ça boit tout la code. Hein. Attends, y'a un véhicule là aussi! Il est déjà pris celui-là. Non, je crois pas. Ah si si, je l'ai. Oh. Pour moi que ces autres te disent qu'il l'a collecté, c'est qu'il l'a collecté. Ouais. Comme la dette publique. Très bien, c'est le moment du bouclier final.
Larguez cet explosif et admirez les dégâts du feu d'artifice. C'est vrai que j'apprécie. On n'est pas dans le premier, c'est pas le moment de jouer sniper déjà. Oui, ça. Voilà, tout le loot qui est tombé. Bon, ça a pas vraiment explosé, mais ça fera l'affaire quand même. Les descendants sont même pas foutus de réussir à faire une bombe. Une neuridium dans le temps. Enfin bref, les deux équipes sont mortes. Moi j'appelle ça une victoire. Un point pour la team. Je m'attendais à rien, mais. Venez me voir quand vous voudrez. Y a quand même un peu de gueule. D'un ping, quoi. Toutes tes fidèles sont genre super mordicus. Je me suis dit que ça t'intéresserait. Le rapace de l'arche a tué nos deux équipes. Oh l'autre, comment il l'a mauvaise. Tu vas mourir. Vous qu'ils vont s'engueuler, qu'ils vont s'aspirer leur pouvoir eux-mêmes entre eux pour se tuer mutuellement? Non. Ah mais c'est un méchant ça. Non, le tue pas. Ça servait pas, rassure-moi. Déjà. Alors, parlez à Clay, il est là. Clay, on peut se TP à côté de lui. Clay, je me TP. En vrai, c'est une solution, je ne peux pas me TP. Je peux pas me TP, je me souviens. Ah bah après tu pour ce TP c'est que le petit symbole de planète. Bah ouais mais je clique dessus, il veut pas. Ouais des Krog. Trop bon. Extrêmement trop bueno. Allez quête, hein. Passe-les-moi que je me tartine, ok. Putain, il veut se tartiner. Ça pue la mort. Ils ont dû se pisser dessus. Extrêmement puant. Ce qui me va très bien. Maintenant, on va se trouver des sauriens à castagner. Il y a Chad qui s'est tartiné le cul, ça vous intéresse parce que je suis devant. Avec des viscères. Mm-hmm. Bah, on n'a plus qu'à prier pour que les Calypso continuent à faire s'entretuer leurs fidèles pour des conneries. Ça nous facilitera bien la vie. C'était un plaisir de rebosser avec vous. Vous avez un talent de malade. Oh, voilà, moi je suis Chad, hein, du coup. Oui, oui. Ah, je me demande quel coup ça a. Mais... Attends, je peux le faire. Non, je peux pas le faire. Bah, je vais attaquer par des raptors. Super bien. J'ai vu pire, mais c'est très laid. Faut te soigner. Ranimé Chad. De ce que je comprends du sang, il vaut mieux le garder à l'intérieur. T'as vu ça? Wouhou! Méga extrême! Hémorragie interne légère! Golden Shore! Quelques côtes pétées, on s'emballe! Pas mal ce pont, si je peux faire un bouclier quand je vais le problème c'est que j'ai une autre idée pour une nouvelle cascade épique! T'as failli mourir pour ta dernière cascade! On rappelle une tête de Red Dead Redemption, tu te casses les couilles à aller chercher des plumes pour un gars qui veut faire un deltaplane. Ah oui, je me souviens. Il teste son deltaplane. Il meurt en tout cas. En sautant comme un con. Oui. Parcours hardcore. Ring ring. Ah bordel. Ring ring. Et tu t'es cassé les couilles en plus parce qu'il faut ramener genre une dizaine de plumes. Un truc dans le genre. Je réponds à l'appel du danger. Allô, le danger. C'est moi, Mose. Wouh! T'as tout compris! Ah, mais c'est une série de quêtes, lui en plus, quoi. Chad veut que t'admires ce best jump de malade! Attention! Je crois que dans 5 secondes, il va falloir le réanimer. Mais tu comptes pas prendre, je sais pas moi, un parachute? What? Mais non! Les parachutes, c'est pour les grosses balles tringosses! C'est juste genre style pour les bébés! Pense aux objets collectifs d'Assassin's Creed. T'as pas envie de repousser les limites? Les limites du danger? Va là-bas! Je pense que Far Cry Assassin's Creed, c'est. C'est la quintessence des collectibles à ramasser, mais qui sert à rien, quoi. Mais oh, il a réussi. Presque étonné, quoi.
Ils sont plus loin que... Ils sont plus haut que nous, cet enculé. Ouais. Geronimo! Geronimo! Je ne vais pas laisser la faucheuse t'emmener. Elle est à moi. Wouhou! Putain de merde! Ouais! J'ai les viscères qui saignent à mort, mais c'était trop kiffant! Ok, ok. Je pense qu'il faut laisser la sélection naturelle se faire. Tout ce qui tombe doit remonter. En tout cas, c'est ce qu'on dit quand on aime le danger! Tu vois cet ascenseur? Il est beaucoup trop lent. On va le booster un peu avec des putains de fusées. Ah. Ça ne me dit rien qui vaille. Ah, moi je trouve l'idée pas mal là, en vrai. Hein. Mais ça c'est parce que t'es orc. On va se faire une putain de kiff-scad. Ouais. Bon, on finit cette quête et après on s'arrête là. Hein. Ok. Oh, ah ouais, quand même une 42. Je sais pas de quoi vous parlez. Attends, laisse sur scène Izutsu. Allez les petits, on va chercher les bidons. Mais de toute façon, Izutsu, il a vu qu'il fallait récupérer des trucs à l'autre bout de la map, il y était déjà. Non. Lui, il a la téléportation de Goku, mais sur les ressources. Moi, je suis en train de récupérer les véhicules. D'accord. Non mais, avouez qu'un ascenseur avec des fusées. Non mais là, c'est... Parce que... Taper des raptors à main nue, bon, moyen. Se rouler dans des viscères et de la pisse dégueulasse de Skag ou je sais pas quoi, moyen. Sauter du haut d'une falaise, bon, moyen. Un ascenseur qui va pas assez vite et du coup, on lui met des putains de fusées au cul. Ah! Enfin quelque chose d'utile et de ludique. Bah en fait il y a juste un problème avec ça, moi c'est le moteur en fait. Normalement le moteur te freine en fait. Il retient les fusées. Retire le moteur sinon ralentit. Tu as tout compris. Voilà, j'ai tout compris. C'est ton perso qui te... Ça ira. Attache-les. Bah moi je vais être sur l'ascenseur. Hein. Attendez, 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 on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. On va monter dessus. Oh putain, incroyable. Maintenant recule. Je vais être le premier à chevaucher cette merveille. Ah, pas sans moi, mon pote. Voilà. Pas sans moi, j'arrive pas à monter. Faut passer par l'autre côté. Atroce. 3, 2, 1, c'est décollage. Mais bon, hey, c'est pas grave, t'as qu'à tirer sur l'allumeur, ça va marcher. Où est l'allumeur? Là par contre ça va. Maintenant allume, tire sur l'allumeur, tire dessus. Un aller simple pour Cascade Land. Et l'allumeur c'est en dessous. Et Cascade Land. Ouais c'est en dessous. Ça va être... Au revoir. Yeah. Bon. Non mais lui, lui. Mais... Je n'aurais jamais compris les motivations de cet homme. Mais on dirait l'épisode du nouveau Pokémon où t'as Magikarp qui va dans la stratosphère. Et nous. Mais je. Ce qui serait très 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 rigolo, c'est que. Yersen, tu pourrais renvoyer l'ascenseur. Par la suite, ouais. Dans le jeu. En fait, il revient tout seul. Hein. Mais pourquoi Yersen, tu pars toujours sans nous? Mais l'ascenseur, il est automatique. Faites pas chier. Il part tout seul au bout de 3 secondes. Bah, ça change pas que des mutuels, je pars comme ton. Bah, va te foutre. Non, mais oh. Ok, tu vas te calmer. Non, mais oh. Touché. N'empêche, c'est drôle que dans 2-3 missions, ça fasse. Il atterrit devant nous. Ouais, ah, c'est possible.
Allez, à parler à Anne Orlock. Non. Il est à la. Non, il est sympa. Il y a ça de niveau les coucher. Pour la prochaine session. Je m'en bats les couilles, je vais lui parler. Parce qu'il est juste là devant moi. C'est l'habitude. Oh. Bravo, chasseur de l'arche, vous avez administré une bonne grosse ratatouille à ces bandits. Ouais, c'est mon talent. Pas comme si on nous demandait d'aller tuer un boss. Pendant que vous libériez Reliance des griffes des DDA, j'ai réussi à faire marcher ce phonographe de malheur. On va en bon, cacher la clé de l'arche. J'ai 4 heures de sommeil, moi, là. Chasseur de l'arche. Oh. Dire que ce sont peut-être les tout derniers on lit pas mots le disque de Montgomery Jacobs. Parce que ça a l'air d'être important pour l'histoire. Hey, on quitte la partie. Et puis voilà. Bon, est-ce qu'on se dit déjà jeudi prochain? Bon, normalement, ouais. Normalement, oui. Est-ce que t'as lu le chapitre auquel on était, Deda? Non, pourquoi? Tu devrais relancer le jeu juste pour voir le chapitre 14, le nom. Mais t'as pas besoin, hein. T'as pas besoin. Hein. De relancer le jeu, oui, je veux dire. Bon. Quoi? Nécro Tafeyo? Non. Bijou de famille. Comment ça se fait que vous avez... T'as pas en map, ça. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu par cette vanne. Bah, je sais pas où vous en êtes, en fait. Chapitre 14, Bijou de famille. Ça doit être sur Jacob, là, ce qu'il y avait avant. Oh! Moi, je vais vous laisser, les gens. Mais bon... C'est que t'es pas passé. Bonne nuit, les gens. Tous. À samedi. Oui. Jamais. Oui, à samedi. Et toi, jeudi. Hey, tchuss. Tchuss. Dire là. Bijoux de famille. Ah putain, on est que là? Sérieux? Apparemment. Bah, je crois qu'on était, vers la fin, techniquement. Oula! Bah, pas si on fait que les. Ah ouais, bah d'un côté, ouais, si on fait toutes les secondaires, tu me diras. Parce que là, bijoux de famille, les mecs, ils disent littéralement, faut être niveau 25. Et niveau 32, je crois, un truc comme ça. 31. On va pas. Moi, je suis quasiment niveau 32. Hein. Oui, bah, quasiment. Pareil. Tu m'étonnes qu'on se balade dans le jeu. Bien sûr, on se balade. Ah ouais, faudra peut-être encore 2-3 sessions, quoi. Sachant que les missions secondaires vers les fins des Borderlands, c'est jamais incroyable. Les dernières zones, ils en mettent jamais beaucoup. Ouais, ça va. Ça faisait un moment qu'on en avait pas eu autant. Ouais. Non, ça va, pour le moment, le jeu est plutôt sympa, enfin... Ah ouais, non, d'accord. Donc là, il a moins bugué que d'habitude, on passe pas. Ouais, j'avoue. Mais il a pas du tout bugué. J'ai appuyé sur lancer Borderlands, je voulais juste regarder le nombre d'heures. Passer dessus, du coup. Il va relancer le jeu, ce con. Ça, c'est certain. Ah, salaud! Ah, je vais juste regarder combien de temps. Je vais me divertir parce qu'en vrai, le 1, même si tu fais beaucoup de quêtes dans le jeu, bah au final, ça peut aller très vite. Hein. Pas si long que ça. Hein. Ben là, on est quoi, la 3ème séance? 4ème? Ça fait. Ouais, 3 sessions, je crois. 4. Ah putain, je sais plus. D'environ 4 heures chacune, à chaque fois. Entre 12 et 7. Un peu moins en vrai. Hein.
En vrai, on a plus tendance à jouer vers les 3 heures que vers les 4 heures. Hein. Alors là, ça fait que 3 heures, ça fait même pas 4 heures, hein. Ça fait plus proche de 3h30. Donc, allez, ouais. 15 heures, c'est pas beau. Bah, c'est pas long. Hein. Le problème des Borderlands, c'est si tu prends sans les extensions, c'est assez rapide en ligne droite. Après, je vais pas me plaindre, moi j'ai tendance à dire que les jeux de maintenant sont trop longs. Tiens, le et son méga. Temps de jeu, 15h et 12 minutes. De l'Ursacor Vladimir, ça dépend de temps par trop long. Ah, quand ça commence à aller vers les 40 heures de jeu, la vérité c'est que bon, 40 heures de jeu, c'est... Il y a tellement maintenant, en fait on te propose tellement de contenu sur dans tout, en fait, que ce soit les séries, les films, les livres, les jeux vidéo, t'as trop de sorties, c'est compliqué quoi. C'est 40 heures à investir dans un jeu, c'est que le... Faut vraiment que le jeu t'ait plu quoi. Enfin... Pas quoi. Déjà 30 heures c'est déjà pas mal, hein. Un jeu solo 30 heures faut les avaler quoi. Et après pour toi 30 heures c'est 30 heures de ligne droite ou 30 heures au global pour faire par exemple j'ai appris 100% mais bien t'as... Oh, 30 heures à ma façon de jouer, donc en gros un petit peu de quête secondaire et l'histoire tu vois. Je sais pas si t'as remarqué, mais des dames au stream, c'est souvent ligne droite, ligne droite. Il fait très peu de quêtes secondaires. Quoi ? Oh, quand même, aussi. Hein. Ah, Ça dépend sur quel jeu. Si c'est des jeux qu'il a déjà fait, il va faire, oui, beaucoup de. Il va faire plus de lignes droites pour faire le jeu. En fait, ça dépend. Si la quête de, dans The. C'est des quêtes à la The Witcher 3, genre la quête secondaire. Va tuer les deux bandits dans la forêt, ça m'intéresse pas, tu vois. Enfin, pas spécialement. Dans Borderlands 1, j'ai fait toutes les quêtes secondaires quasiment qui se sont présentées à moi, tu vois. Ah, et pourtant, il y a des quêtes secondaires qui sont chiantes. Hein. J'étais plus en train de penser au Mass Effect. Ah, Mass Effect. Ouais. Ah, Mass Effect, mais toutes les quêtes secondaires, t'en as pour 50 à 100 heures de jeu. Hein. Bah, Mass Effect 2, au final, j'ai fait toutes les quêtes principales des mecs. Même ceux que j'aimais pas. Les quêtes secondaires, bah j'en faisais quand je pouvais le faire. Après, par contre Andromeda, oui là, par contre Andromeda c'est trop aussi. C'est... En fait là par exemple dans Borderlands, les quêtes secondaires je les trouve pas énervantes ou chiantes. C'est parce que t'en as certaines, c'est vraiment du FedEx. On en a dans Borderlands, mais ça passe mieux. Parce que t'as ce côté derrière, bah là le mec on devait chercher des bidons, de faire des trucs pour lui, et au final. Ouais, ça va quoi. Il saute dans le vide, on l'envoie dans l'espace. Voilà, c'est ce côté un peu drôle derrière. Ah, c'est sûr que si tu compares avec Horizon, putain, au final, là si je refais Horizon, je refais pas les quêtes secondaires. Hein. Vas-y. Pas que Horizon, que même les The Witcher, il y en a certaines. Oh non, mais les quêtes secondaires de The Witcher 3, on a beau me dire, elles sont bien écrites, elles sont intéressantes. Ouais, non, arrêtez les gars. On va juste à un endroit, on active l'essence de sorceleur et on suit des traces, quoi. C'est, en général, c'est ça qu'on fait. Ça suffit, quoi. C'est comme les Bloodborne, les Soulsborne. Enfin, ouais, il faut faire à 100%, il faut faire ceci. C'est bon, quoi. Faut se calmer. 30 heures dans un jeu, c'est déjà, pour faire la quête principale et quelques quêtes secondaires que t'as envie de faire, c'est déjà beaucoup. C'est pas mal, hein. Si en 40 heures t'as fait que l'histoire principale et qu'il t'en faut 80 ou 100 pour faire les quêtes secondaires, genre là, Assassin's Creed Valhalla, c'est ça, hein. Tu veux tout faire, 100 heures. Oh, c'est l'horreur. C'est trop long. Beaucoup trop long. Après, tu vois, un jeu, par exemple, qui a une durée de vie moindre, si on part sur du 20h, pour moi, il faut qu'il soit répétable, mais bien. Parce que sinon... 20h en 20h, moi, je trouve que ça va. 20h, je trouve que ça va. T'en as quand même des jeux, on va pas se mentir, des jeux en 5-6 heures ligne droite, tu les finis. Ah oui, oui. Bah The Order, par exemple. Après, c'est pas spécialement des mauvais jeux non plus.
Le problème... Si c'est, tu fais 5-6 heures en ligne droite et que derrière t'as pas de rejouabilité, ça fait quand même mal de payer 70 euros un jeu. C'est ce que j'allais dire en fait. Le problème c'est le prix, tu vois. C'est, si t'as payé ton jeu 70 boules et que en 10 heures tu l'as fini, à l'époque c'est ce qui m'est arrivé avec God of War 3. Le lendemain j'étais à Micromania, je l'ai revendu, j'ai pris un autre jeu. Hein. C'est d'ailleurs un des rares jeux que j'ai revendu. Alors que le jeu est génial. Mais quand tu payes un jeu, je sais pas moi, 15 balles, et que tu le finis en 10 heures, bon, je sais pas, pour moi, ton argent, 15 balles, quoi, c'est... Là, je suis d'accord. Ouais, bah, de toute façon, c'est pas parce qu'un jeu est court qu'il est mauvais, hein. Moi, il y a des jeux, je l'ai fini en... Il y a un jeu que j'ai aimé, je l'ai fini en 4 heures, je vais pas me plaindre, tu vois, enfin... Ça dépend qu'est-ce que c'est comme type de jeu aussi, tu vois, enfin... Non, je sais pas, c'est encore un autre. Ça, c'est un autre débat, ça, j'ai envie de te dire. C'est... Disons que dans un jeu solo qui se veut presque triple A ou triple A, déjà, si tu fais vraiment la quête principale plus quelques quêtes secondaires de temps en temps, sans spécialement devoir chercher partout, et de temps en temps te permettre de dire ah non, cette quête-là, c'est chiant, il faut livrer des burgers, ça me fait pas rire, j'ai pas envie de la faire. Bon, si déjà t'atteins les 30 heures, c'est déjà pas mal. Hein. Je crois que Last of Us 2, que j'ai trouvé un petit peu long sur la fin, il atteint ça, il a pas de quête secondaire, quoi. C'est juste un jeu d'aventure et. Je crois que c'est une dizaine d'heures, tu vois. Et... Bon, c'est un peu long, quoi. Alors qu'à contrario, le premier, en 15 heures, tu le finis. Et il est un peu court. Donc. Ça, c'est encore un autre débat, ça. Et le Call of Duty finit en 3 heures, alors ça, par contre, moi, j'ai jamais vu, hein. Si tu les... Franchement, les codes en 3 heures, c'est compliqué, mais si tu prends les codes pour l'histoire, bon, t'as un peu raté. Je pense que t'as un peu dépensé ton argent pour rien, perso. Ouais, moi, j'ai jamais vu... Enfin, moi, je n'ai jamais réussi à finir un code en 3 heures, hein. Donc, ce truc-là... Je vois pas trop où est-ce que les gens... Si les mecs sont en mode speedrun, bah ouais, ça m'étonne pas qu'ils finissent en 3 heures. Hein. Il y a des jeux qui se terminent super vite en speedrun, c'est normal, c'est un speedrun. Si tu les écoutes tous, tous les nouveaux jeux, en 3 heures, tu les as finis. Ah, je veux dire, quand tu vois que là, un Zelda, par exemple, c'est une quarantaine d'heures... Bah, j'ai pas spécialement envie qu'un jeu action-aventure devienne un RPG, quoi. Tu vois, donc 40 heures, moi je trouve que c'est beaucoup. Il garde Dead by Daylight 2, là, je sais pas quoi, enfin le truc de parcours, là. Oui. Il se vantait d'avoir je sais plus combien d'heures de durée de vie, mais un truc de malade, genre 200 heures, je crois. Enfin, non, faut se calmer. C'est. Alors qu'à côté, là, il y a des gens qui sont en train de se dire « Ah, c'est pas beaucoup, parce que Starfield, si tu fais la quête principale, ils te disent qu'en 30-40 heures, tu l'as fini. Le futur gros jeu où tu peux visiter les planètes à la No Man's Sky. » Mais c'est très bien, hein. C'est 30-40 heures, c'est très bien, hein. Rien de plus, hein. Faut pas déconner, hein. Après, c'est trop long. T'as plein de jeux dans ce style-là. Qui se veulent... Moi, franchement, il y a plein de petits jeux, pour moi. Là, il y a le Hollow Knight 2, là, qui va sortir, ou une extension, je sais pas ce que c'est exactement. Franchement, s'il a la même durée que le premier, déjà, c'est pas mal. Hein. Alors, le Hollow Knight, je sais plus si c'est censé être un DLC ou... Je crois que c'est un DLC, hein. C'est un DLC, hein, normalement. Je sais pas, c'est pour ça que j'ai dit deux au cas où, mais je sais plus. Ouais, je crois mais que c'est un DLC. Bah, c'est comme là, il y a le DLC de Cuphead avant à la fin du mois, si je dis pas de bêtises. Puis, je... Après, les DLC, c'est encore autre chose, quoi. Oui. Je vous souhaite la bonne nuit. Ciao. Bon, de toute façon, c'est pareil. Bonne nuit et ciao le stream. Salut.